donde la tecnología se encuentra con la persona. Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On est samedi, comme prévu, je suis sur Jurassic World Evolution, troisième épisode. On va continuer à faire évoluer notre parc. On avait réussi à installer les vélociraptors. Donc pour l'instant, ils n'ont pas eu le temps de faire des dégâts, mais on va aller voir ce que ça donne. On y va tout de suite. Normalement. Bonsoir Libitina, bonsoir Neutrino, comment allez-vous en ce samedi soir? J'espère que je suis sur la bonne map. Normalement oui. Normalement oui. Et bonsoir Florent, bonsoir Draco. Alors, c'est bien mes Vélociraptors? Non, c'est pas les vélociraptors, ça, Tout mon comme choix. les Mais là, je veux humains, pas le. Pourquoi les tu me donnes. dinosaures ont des besoins alimentaires qui Alors, leur sont attends, est-ce que je propres. suis sur la bonne map? Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriées. Est-ce qu'on Personnellement, est je sur la bonne suis map? un Est-ce gros qu'il m'a manqueur chargé de la bonne viande. map? On est où là? Attends. On est où? Non, c'est pas ça. Centre de contrôle. On est ici. On est bien sur la bonne map, au bord de l'eau. Le Velociraptor, je les avais calés où? Là-dedans? Je crois que c'est ça. Est-ce qu'on est au bon endroit, les gens? Et bien ravi que tu retournes sur Jurassic. Yep. Bonsoir, Crowley. Alors, j'aimerais zoomer arrière, ça serait bien. Voilà. Merci. Ils sont où mes vélociraptors? Vous êtes où les gars? Moment d'inquiétude. Je ne vois pas mes dinosaures. C'était où la map pour les dinos? Comment on faisait? C'était carte. Les cartes des dinosaures. Ah, ils sont là. Ils vont bien. J'ai eu peur. Pendant un instant, j'ai eu peur, j'étais inquiet. Ils sont calés là-bas dedans. Ah, je les vois là. Là. Montre-toi. Ah, ils sont cachés là. Ah, ils m'ont fait peur. M'ont fait peur, j'ai cru que je lançais la game avec des dinosaures qui s'étaient barrés. J'étais très inquiet. Bon, tout va bien. Oui, on est sur Shadow. Bonsoir Brisinger. On est sur Shadow, donc on est sur du 1080 si vous le souhaitez. Vous pouvez effectivement regarder le stream en 1080. C'est le. Les joies du Shadow. Alors, du coup, on en était où? Il fallait qu'on continue à faire. Alors, récupérer un fossile de l'espèce Troodon 0 sur 1 et compléter un nouveau génome à 50%. Donc, on va aller tout de suite. Et là, j'ai un problème d'électricité. Voilà, parce qu'il tombe régulièrement en panne, le bordel. Mais où est-ce que c'est? Non, c'est quoi? Il est malade? Il est malade. Ok. Donc, c'est le poste de garde. Poste de garde. Je reprends la map. Donc, là, du coup, petit moment d'hésitation. Voilà. Poste de garde. Il est là. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Hop. Et. Petit dino malade. J'ajoute ça à la À liste. soigner. Bien reçu. Une mangeoire à recharger. Et une deuxième mangeoire juste Aucun ici à problème. recharger. Nickel. On est bon. Y a pas à dire cette musique de John Williams, magnifique 25 ans plus tard, carrément Eric, carrément. Ok, allez, on va continuer à faire avancer les génomes. Il faut qu'on débloque un nouveau génome à 50%. ADN. Fossile. Non. Mission. Carte d'expédition. Superbe, je confirme. Ouais, car. On était sur lequel? Dilophosaurus, j'avais déjà fait. Vélociraptor, déjà fait. Vélociraptor, je l'avais complété à 50%, oui, hein. Et en France, il y avait quoi?
Ceratosaurus, je l'avais aussi. A priori. Ah, Ankylosaurus, ça j'ai pas. Je suis à 50%, je suis à 0%. Vas-y. Ankylosaurus. Hop, et pendant que j'étais là, j'aurais dû aller voir les recherches, ce qu'on pouvait débloquer. Bonsoir, Canada. Je vends moi du rêve et du sang. Le sang, ça va venir, et à mon avis, ce sera pas de ma faute. Et puis, bah, le rêve, comme d'hab. Bonsoir, Remix. Ça n'arrive jamais à Dino qui sort quand les gardes rentrent ou sortent. Je ne sais pas du tout, Brisinger. Je ne sais pas du tout. Alors, centre des fossiles, je peux faire. C'est quoi? Taille de l'inventaire, ok. Amélioration de la viabilité 2.0, on va se le faire ça pour pas rater nos dinos. Allez, on va se faire ça d'abord. Niveau thune, ça va, on est bien. Donc les recherches sont en cours. Les recherches et la chasse au... Il y a 2 minutes pour la... Okay. Voilà, tout le monde va à l'hôtel. C'est blindé là à l'hôtel, il y a du monde. Ça va, ça se passe bien les gens? Vous êtes contents? Oui, tranquille, c'est cool. J'ai mis une mangeoire. Est-ce que je mets pas une deuxième mangeoire? Il y a une chèvre morte là. Donc a priori ils ont assez pour 3. Ouais, je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. On avait aussi, je crois qu'on avait le plan de. Ouais, on en a un en rab si jamais. Est-ce que je leur sors un petit... Est-ce que je leur sors un vivant ou pas? Pour les faire chasser un peu. Pour l'instant, je crois qu'ils sont détendus. On va vérifier. Alors, interaction, population, forêt, prairie, confort, eau, nourriture, santé. Pour l'instant, ils sont bien. Ils ont l'air de vachement guetter la clôture. Mais pour l'instant, ils sont... Donc, on va partir du principe que tout va bien. Ok. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout l'objet. Bonsoir Rick. Compléter un génome de dinosaure à 60%, ben ça va se cumuler avec la 50, ça. Ça va se cumuler avec la 50. C'était lequel que j'en ai... Je peux pas voir. Attends, je vais récupérer des fossiles. Oh, c'est joli ça. Hop, et ça c'est bon à vendre. Donc, c'était... Comment il s'appelle ce truc? L'Ankylosaurus. Ok. Les recherches, ça doit être fini. Ah non, j'en ai relancé une déjà. Il reste 3 minutes. Ok. Et là, ça disait quoi? Là, il y a plein de trucs que j'ai pas cliqué en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les infos ADN là-dessus. On sait pas où on en est on sait pas où on en est de l'avancement du génome de ce truc-là. C'est dommage. Pas du dino. C'est dommage. Et là... Ouais, là, ça prend encore un peu de temps. Ok. Bah, et tout se passe bien pour l'instant. J'hésite à... Oh, il y a le troupeau qui est rassemblé, là. Ça va, les gars? Tranquille, il y a discussion? 3, 4, 5, 6. C'est une réunion au sommet au niveau des autruches. Il y a le copain qui est tout seul. Il était bien, lui. Interaction, population, forêt. Donc lui, il est bien. Je sais plus si j'en ai mis plusieurs. T'avais des potes ou pas? Interaction, il est au minimum en fait. Il est bien, mais il est au minimum. Et le troisième, lui. Pareil, interaction au minimum. Ah, il est satisfait pour l'instant, tout va bien. Et bonsoir Asmodan. Tu ferais attention à l'Ankylo, H. Il n'aime pas trop les gros groupes d'individus. Dag, ça marche. Ça veut dire qu'il faut que je prévoie un enclos déjà. Déjà que je lui prévois un enclos, alors est-ce qu'éventuellement on peut commencer à construire l'enclos pendant qu'on est là? Il y avait une place là, j'avais la possibilité de mettre un enclos ici. Est-ce qu'on calerait un enclos, l'enclos d'Ankylosaurus là? Peut-être pas mal. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je vire les arbres qui sont là, que je mette... Alors attends.
J'ai un nouveau truc? C'est quoi? Ah non, c'est là. Oh, j'ai une boutique de jouets. Pour faire un peu plus de thunes encore. Sauf que je sais pas où la mettre. Là, elle passerait, mais j'ai pas le jus. Non, ça passe pas. Et là-haut, est-ce que ça passe? Sauf que là, alors là, ça passe, sauf que c'est super loin du passage. Donc, je vais pas faire de thunes avec. Et ça, c'était quoi? Ah, c'était l'abri. Ah, je peux décaler l'abri et mettre la boutique à la place. Je peux décaler mon abri. Il est pas obligé d'être là, lui. On va mettre la boutique sur le passage plutôt. Ah! Qui c'est qui a pas d'électricité? Qu'est-ce que ça? Il y a encore une panne d'électricité. Coupure de courant. Yep. Demande enregistrée. Ok. Merci. On va faire ça, on va décaler la boutique, on va décaler l'abri. Donc là, non, pas que je clique dessus. Démoli. Ok. Et on met la boutique à la place. Allez, hey, ça passe large. Mais si, ça passe large. Arriver à la faire tourner quoi. Pivoter. Il veut l'aligner comme ça, ce qui m'arrange pas du tout. On n'a pas une rotation un peu plus clean? Il aligne à quoi là? C'est un peu dommage le coup de la rotation là. Du coup, avoir du mal à faire un truc propre. Ouais, c'est là. Bon. Est-ce que je peux. Ah, attends, j'ai fait une connerie, il n'y a pas de route qui passe. Il faut que j'ai une route pour l'abri. Alors, terrain. Excusez-moi, je tâtonne. Tac. Parce que l'idée, c'est de pouvoir mettre l'abri à côté, donc il me faut une route. Chers visiteurs, une tempête devrait se déclarer prochainement. Ah. Je peux pas démolir la... Compliqué ça. Allez. Chers visiteurs, nouveau bulletin météo. Le niveau de vigilance a été relevé. Chers visiteurs, en raison des intempéries, nous vous prions de vous mettre à l'abri jusqu'à ce que le temps. Sauf que la boutique, elle va jamais passer là. Attends, on va vite ouvrir l'abri. Non, c'est pas ça. Visiteur. Ah, c'est la guerre. Je vais jamais arriver à placer ma boutique et là. Et j'ai pas ouvert l'abri. Alors attends. Il est où l'abri? Ça, on peut le faire. Qui m'a été rendez-vous. C'est un... Ouais, c'est fait. C'est fait le terrain, je l'ai aplati par contre. Par contre, j'ai pas la place de tout mettre. Ça m'ennuie. Là, je peux pas placer mon truc. Pour pouvoir s'épanouir, les dinosaures ont besoin d'un environnement adapté. Ah là, ça passe. Ok, donc là il y a l'abri, sauf que je mets pas la boutique là, on est d'accord. Ah, flûte. Flûte. Comment je fais? Je mette l'abri, la boutique d'abord.
Faut que je modifie cette route là en fait. On va modifier cette route là. Et bonsoir Rexy. Bonsoir The Red Empire. Comment ça va? Je vais bien, je galère à... annuler. La route. Ah non, annuler, ok. Les routes c'est automatique, d'accord. Donc... attends, on va gérer autrement. Ça passe pas? Ouais, si ça passe. Là, là normalement je dois pouvoir placer. Vous devez protéger les visiteurs. Oui, calme-toi madame, j'arrive. Comment on fait? On va fermer les abris. Quoi, il y a un dino qui s'est barré? Ah, il y a un dino qui s'est barré. Ah non! Dame Ned, alerte rouge. C'est pas ça, il est où? Il est où mon centre? Ah, Dame Ned. Le centre, il est là-bas. C'est la guerre, les gens. Tâche supplémentaire ajoutée. Ils sont où les autres? Ils sont où mes autres dinos? Mes raptors se sont barrés, il y en a un là. Et où sont les autres? Je sais pas où sont les autres. Ok. D'accord, du coup il y a eu brèche. C'est couillon. Attends, on va faire réparer tout de suite. Allez. Allez, allez. Il y en a un autre qui est en train de se balader, qui est en train de se barrer là. Faut que j'ouvre les abris, sinon c'est la guerre. C'est un peu la guerre là. J'avais pas vu. Il est là-bas. Tâche confirmée. Ah là là. Tu voulais des raptors, tu. Ouais, c'est la deuxième île Space. Et bonsoir Mélanie. Du coup les raptors se sont barrés, la clôture elle a été réparée normalement, donc on va prendre l'équipe de transport, on va les remettre à leur place, s'ils veulent bien, hop. C'est un peu la guerre, ils sont où? Lui il a sa place, donc on va le caler là, voilà, et où sont les autres? Je vois pas les autres raptors en fait. Ah mais parce qu'ils arrivent pas à les choper. Ah c'est la guerre en fait. Alors attends, il y en a un qui se balade encore. Il est là. Lui il a été neutralisé a priori ou c'est en cours. C'est un tout petit peu la guerre en fait. Non mais laisse mes visiteurs tranquilles s'il te plaît, ça fait de l'animation mais laisse les... Allez, fais un dodo. Voilà, ça va bien se passer. Misère. T'as, j'étais concentré sur la constru, tranquille. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Hop, équipe de transport. Quoi? Allez. Voilà, tu peux le faire. Un là. Par contre, il y en a un qui s'est barré, on est d'accord? Là, il est où? Il est où le troisième? Hein, il manque de courant là. Qu'est-ce qu'il manque de courant? L'hôtel. Pourquoi? À cause de la boutique? Faut que je mette une amélioration de production, je sais pas quoi là. Des trucs électriques. Mais des doubles coutures du Brisinger. Ah, c'est la guerre. Production améliorée. Elle est où la 2.0? Ah.
quoi, non, c'est bon. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, coupure de courant. Ah mais ils m'en veulent. Ils m'en veulent. Ok. Bon, allez, on respire. Un lâcher de dino, nouvelle attraction, sensation garantie. C'est ça. C'est carrément ça. Ouais, c'est la guerre. Monsieur HK, d'après l'article 7 des lois jurassiques, tout dinosaure qui s'évade peut être sanctionné auprès des gestionnaires de parc. Ça craint. Alors. On va pouvoir les faire sortir. Voilà. Par contre, j'ai un problème de courant. Tu as les DLC web, Lexi. Oui, on est désolé. Ça n'arrivera plus. Il va juste falloir trouver des solutions. Alors, où sont mes dinos? Non, c'est pas là. 1, 2 et le troisième, il est anesthésié. Faut que j'aille le chercher. Ok. Un sabotage, tu dois attendre pour le courant. Je dois attendre quoi? Je me suis fait saboter. C'est ça que tu me dis? Why? Pourquoi? Ah mais oui, il fallait bien que ça arrive avant que la sécurité se mette vraiment en place. C'est ça. Du coup, c'est la guerre. Comment on fait pour pas que ça arrive à nouveau? Faut que je mette la double clôture, c'est ça? Qui me disait ça? Faut que je mette une double clôture. Pour pas que ça arrive. Ah, attends, je vais finir vite fait ça si je peux. On va virer ça. Ça. Donc là, il y a forcément plus de route, c'est normal. Est-ce que j'ai la place pour mettre ma boutique ou pas? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il veut l'aligner de façon complètement dégueu. Là. Apparemment, il est chaud pour l'aligner bizarrement le machin. Je peux décaler un peu? A priori c'est bon. Ok, donc. Là ça passe. Non, ça, allez, ça passe. Voilà. Il n'arrive pas à passer. C'est quoi le raccourci pour... ah voilà. Passe pas. C'est un peu tendu. Là, la route elle est un peu foireuse, mais on va dire que c'est bien. Allez, tu peux le faire. Allez. Quoi le problème? Pourquoi tu veux pas? Voilà. Eh ben, c'était tendu, hein. Voilà. Bon, alors c'est pas propre du tout. Du tout, du tout, du tout. Et bonsoir Arceus, bonsoir à toi. Oui, oui, il y a trois factions quand tu privilégies une ou les autres. Ça botte parfois le centre. Ah, d'accord, Libitina. C'est pas cool, ça. Bon, au niveau des routes, je suis désolé, j'ai fait vachement mieux dans Planet Coaster. Est-ce que je peux éventuellement tricher un peu en mettant une route là? Mais non, ça passera. Ah, si. Il est d'accord. Pour me faire un truc pas trop dégueu, là. Histoire de rendre le truc un peu plus propre. Ouais, ça le fait. Je peux avoir deux. Ne pas avoir la courbe. Bon, c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais ça va. J'aurais pu faire un autre morceau. Vite fait, aplanir le bordel. Si on a le droit. Je pense qu'une fois qu'il y a le bâtiment, tu peux plus rien aplanir. Là, c'est ça. Voilà, c'est un peu plus propre.
va faire le tour si ça passe. Ça passe pas là. Ça passe là. C'est juste par esthétisme. Hein. Sauf que là, ça passe pas du tout. Okay. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Et salut Doc. Comment va Doc Champion House? Bon, du coup, j'espère qu'elle va marcher ma boutique de jouets parce que honnêtement, ça a été la guerre. Alors, on était où là-dedans? Les routes dignes des meilleurs artistes d'art abstrait. Ouais, non, elles sont un peu foireuses, mes routes là. Mais voilà. C'est chaud. Hop, et bonsoir aux arrivants, effectivement. Bonsoir à ceux qui arrivent. Alors, on est en Kilosaurus 28%. On est pas mal. Et on avait une histoire de. On avait une histoire d'enclos à voir. Pour sécuriser le truc, parce que je connais pas encore les enclos électriques, je crois pas. Il n'y a pas d'enclos électrique en fait. Clôture. On peut faire des améliorations de clôture. On peut pas faire des améliorations. De l'espèce trop donc, faudrait que je regarde ça aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de mettre une deuxième clôture en doublon? Genre en clôture intérieure pour sécuriser le bordel. Est-ce que j'aurai le droit? Là ça prend pas. Ça prend comment? Là ça prend pas? Non, ça prend pas. Okay. Donc je pourrais tendre une clôture tout du long. Si je pouvais la poser tout du long déjà là, ça sécuriserait un morceau. Ben, il veut pas. Donc, je suis obligé de la mettre là. C'est ça. J'essaie de faire un truc à peu près propre. On va essayer de sécuriser, on va voir si ça marche ou pas. Par contre là je vois que dalle de ce qui se passe, donc je vais être obligé de raser les arbres temporairement. Enlever des arbres. Calmez-vous les dinos, calmez-vous. Calmez-vous. On va remettre les arbres juste après. Vous allez être contents, ça va être bien. Voilà. On voit mieux la clôture, c'est mieux. Je sais pas si c'est un bon plan ce que je fais. Hein. J'essaye. Ils vont être coincés dans le couloir. Ça réduit un peu la taille de l'enclos, mais ça c'est pas très grave. Changer tes clôtures. Ah, c'est celle-là. Ah mais tellement. Sauf que pourquoi alors du coup? Non, attends, c'est quoi? Clôture en acier léger remplacée. Oui, d'accord. Et ça c'est la clôture chargée. C'est la meilleure clôture ça? Non, c'est une porte. C'est la porte ça. Comment je fais pour changer ma clôture? J'en ai qu'une de clôture. Je regarde s'il y a d'autres menus, mais. Construction, espace, rectiligne, ouais. Je suis pas convaincu pour la double clôture. Moi non plus, mais j'essaye. Je voudrais pas que ça se reproduise, tu vois. Attends, on peut faire des jolis cours en plus. Par contre, au niveau de la porte, on est mal. La porte, ce sera le point de faiblesse, on va dire. Et là, j'avais pas d'option pour me raccrocher. Si j'avais une option pour aller là, il y a déjà un vélociraptor qui est coincé entre les deux. Tu plaisantes, gars? Vraiment? Notre travail, non, notre mission consiste à offrir. Vraiment? Comment tu t'es débrouillé? Et là, leur habitat est bien trop petit. Oui, bah oui, je confirme, mais comment il a fait? On m'explique comment il a fait. Moment de frustration. Bonsoir Alix. Du coup, faut que je vire un bout de la clôture pour qu'il repasse. C'est ça le délire. Allez, passe. Dépêche-toi. Et ils sont sérieux les dinos là ou comment ça se passe? Attends. Clôture.
c'est pas ça que je veux faire. Clôture. Comme ça. Et... j'espère que j'ai plus personne dans le couloir. Voilà. Ils sont où les autres? J'ai aucune idée de où sont les autres dinos en fait. Il est censé y en avoir 3 dans l'enclos, j'en vois qu'un. Il n'y a pas un arbre pour les cacher. C'est weird. On va reposer les armes déjà. Sympa ce petit coin de nature là. Où sont mes dinos? Ah mais il est toujours endormi. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Je vais demander le transport. Oh, il a abîmé la clôture, t'es sérieux? Ok, il va falloir qu'on trouve une solution pour le... On va chercher la cible. Ah mais ouais, mais je suis con. Je me suis planté. Je me suis planté, je le fais déposer au même endroit, c'est débile. Et là du coup je peux plus le faire. Je pense pas. Ah, je peux plus le faire. Non, il s'est barré. T'es sérieux, le dino? Ok, c'est la mouise. Je suis dans la mouise. On va essayer de gérer ces dinos là. Il y en a un qui est barré. Je l'ai vu passer. Il me semble que je l'ai vu passer. Il y en a deux qui sont passés. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, il va falloir vraiment trouver une solution. Aucun problème. Bien reçu. Bon, allez, on se calme. On peut pas mettre pause en plus, c'est ça qui est un peu... j'allais dire relou, mais... du coup, le troisième, il va être libéré au mauvais endroit. Ah là là, là là, là là. Du coup, je peux mettre un tranquillisant sur le troisième là. C'est la guerre chez moi, mais à mort. T'as vu? Je sais pas où il est le troisième. Ah, attends. Transport. Donc le dino qui est... attends, je comprends pas là, qu'est-ce qu'il me fait? Ce dino là. Faut le mettre là. Ok. C'est pas là. Allez. Bon, pour l'instant c'est la mouise. C'était une mauvaise idée les vélociraptors en fait, on va les revoir. Ajouter une tâche. Un sur... il est où le troisième? Il est un là. Là. Donc là, lui, il est bon pour transport. Sauf que ma clôture, elle est pas réparée. Donc on va faire réparer la clôture. Il va falloir qu'on trouve des solutions, les gens. Ouais, ils ont tout pété, en fait. Très énervé. Je peux pas faire d'autres... Entendu. Et là, j'y allais plus. Confirmé. Allez, on va se calmer. Alors. La cible a bien été transportée. C'est cool, merci. C'est juste la guerre. Allez. Demande de réparation. Je pense que là j'ai toutes les répas qui sont bonnes. Et au niveau du transport. Là. Demande de récupération. Faut que je trouve une solution pour les vélociraptors. Comment on fait? Aussi sécurisé que dans les films. C'est ça. Je vais aller faire ça. Je vais aller regarder s'il y a des recherches sur les clôtures électriques.
guerre. C'est la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo? Acier léger électrifié, c'est bien ça? Acier renforcé, clôture standard ou acier léger électrifié. Ouais, vas-y, fais ça. Bon. Alors, on va avoir des clôtures électrifiées. Il faut que je renvoie des... Ouais, forcément, les gens sont dans les enclos. Il faut qu'on... dans les abris. Il faut qu'on les sorte. Voilà. Ah, flûte. Faut pas que je fasse échappe pour sortir. On a dit quoi? On a dit recherche. On devrait atteindre les 60% bientôt. Ça. Et... c'est celui-là. Voilà. Ok. Pas du dur à gérer. Il faut qu'on... attends, pas du dur à gérer. Ils doivent être 3 minimum par enclos. Je pense que c'est 4, car si un meurt, pas de soucis. Des 4 clôtures. Mais en fait, là, là j'en ai 3. Enfin, j'en ai 3 dans le parc, plus 1. Il y en a 1 là-dedans. Donc, normalement, je suis bon. Normalement, je suis bon pour que ça se passe bien. Mais là, je comprends pas pourquoi ça fait 2 fois qu'ils s'énervent. Ouais, ils sont 3. Je vais leur filer. Je vais leur filer un peu de. Attends, on va leur demander leur avis déjà. Ils sont où, là? Quel est ton problème? Il est limite en prairie. Rêve d'une prairie. Tac, ok. Donc il a pas aimé la deuxième clôture en fait. C'est le côté deuxième clôture, ça lui a réduit son truc. Donc on va virer pendant qu'on récupère le. Je pense que la deuxième clôture c'est pas le top en fait. Donc on va vite les remplacer par l'électrifié par contre. Et là il y en a un petit bout. Ouais, on est bon. Ok. Et je vire un peu d'arbres pour qu'il y ait de la prairie. Est-ce que t'es mieux content comme ça? Il est satisfait. Ok. Ah, c'est parce que le troisième était dehors. Par contre, le Shadow, tu vas pas m'embêter. C'est carrément pas le moment de me... désolé. Une petite notification. Je sais pas si c'était Shadow ou pas, d'ailleurs. Donc là, tu me confirmes, mes trois dinos sont dans l'enclos. Et vivants. 1, 2, 3. Ils sont vivants. Tout va bien. Ok, on va leur filer, alors désolé pour la protection, la ligue de protection des animaux, mais on va leur... on va les détendre un petit peu. On va leur filer une dinde. C'est presque Noël. Au pire, tu fais l'autre couche de clôture à l'extérieur. Non mais je vais la remplacer, je vais remplacer la clôture actuelle par une électrique en fait. Je vais remplacer l'électrique. Enfin, par de l'électrique. Les recherches, il y avait combien de temps sur la clôture électrique? Il reste moins d'une minute. Ok, c'est cool. On va faire ça juste après. Mamma mia! Allez, dépêche-toi. Lui, il est bientôt cuit, normalement. 97. Bon, désolé pour la ligue de protection des animaux. C'est pour le bien du parc. Allez, tu vas survivre parce que t'es fort. Allez, j'ai confiance en toi. Tu vas les occuper, tu vas les détendre. Je sais pas où ils sont. Ah, recherche terminée. Nice. Allez, on fait ça tout de suite. Alors. Voilà. Sauf que du coup ça bouffe du jus ça, tous les coups. Remplacer, oui. Il y a un dinosaure mort, ça n'aura pas duré longtemps. Comment ça se passe? Ah, il faut amener du jus du coup. On peut remplacer là? Ok. Le
Je vais m'occuper du dinosaure mort juste après. Ça aura pas duré longtemps en fait. J'y vois que dalle par contre, clairement. Ok. Est-ce qu'on fait le tour? Ah, on n'y voit rien là! C'est dommage qu'il n'y ait pas un élément de surbrillance ou un truc qui fait que. C'est où c'est là? Là c'est déjà fait, a priori. J'ai fait le tour. Est-ce que je peux vérifier que les clôtures sont électriques? Je vois un spot rouge, rouge, rouge. Ce morceau-là est pas fait, j'ai l'impression. Bon, ça les aura pas détendus longtemps, le dinosaure mort en fait. Enfin, le dinosaure anciennement mort. Équipe de transport. C'est l'équipe de transport ou pas? Oui. Hein. Cible en cours d'évacuation. Bonsoir, Valkyrie. Valkyrie, je suis dans un bar, je ne peux pas t'entendre. Mais oh, je suis ton Tyris adoré. Coucou, Valkyrie. Ouais, le gentil dino, ça a été bref, on est d'accord. Ok, bon, du coup. Le dino mort, c'est en cours de gestion. Clôture électrique, ça devrait les calmer. Normalement. Là, le dino mort, machin. Ah, par contre, j'ai plus de courant. Oh, ils abusent. Les coupures de courant, c'est un peu abusé. Je peux pas l'améliorer, ce truc-là. Protection anti-coupure de courant. Je peux pas rajouter d'emplacement. Donc, c'est soit la production, soit la coupure de courant. Donc, on va faire réparer. Hein. Je vais regarder si on peut améliorer une centrale électrique. Tâche supplémentaire ajoutée. Ouais, non, c'est pas ça, pardon. Hop. Tiens, ADN, on a quelque chose. Le cadavre. C'est fait, c'est fait, c'est fait, Libitia. Dans le bon enclos. 48%, on n'y est pas encore. Faut que j'arrive à 60. 13 énergivores, d'accord, ok. Donc on va regarder déjà pour la coupure de courant si on peut faire quelque chose. Amélioration de bâtiment. Coût d'entretien réduit, production d'électricité, les équipes de maintenance réduisent le coût d'entretien des centrales électriques. C'est pas ça que je veux. Ok, ça c'était quoi? Ah, c'était la précision machin. Ça c'était la taille de l'inventaire. Précision des gardes et vitesse de rechargement. Pourquoi il me le mange? Je n'ai pas trouvé les mots de recherche. Ok. Vas-y, je vais le faire. On a un nouveau génome viable, c'est cool. Si tu veux plus de slots, il te faut une centrale moyenne et vous une avez banque. Terminé il ce pas contrat encore. Ok, merci et atteint vos objectifs. On ne pouvait pas demander mieux. Merci, chef. Hop, il faut qu'on aille jusqu'à 60% pour le génome. Je sais que vous avez déjà accompli des missions de ce genre. Ce contrat ne devrait pas vous poser sur de problème. Sur le site formation de Lufeng. Ouais, on fera ça après. Ok. Ça va bien se passer. Donc, on a un nouveau génome. La question étant de dire... Alors, est-ce que j'ai des infos dessus? Celui-là. Alors, c'est quoi? On peut pas savoir ce que c'est. Ah si, c'est un herbivore. Ok, herbivore. De toute façon, je vais monter à 60. Yo, Sifri. Sifri, bonsoir à toi. C'est un herbivore. On va faire un nouvel enclos, je pense, quand même. Je sais pas s'il lui faut grand. J'ai une place pour un enclos ici, et j'ai une place ici. On va le faire avec vue sur l'hôtel. Ça me paraît bien. Donc, ça veut dire... Je vais jamais avoir assez d'électricité, par contre. Je n'aime pas vivre avec beaucoup de dinosaures. Tac. Hop. Hop. Donc, ça va être par là, mais là, du coup, le pylône me gêne. Faut que je le pose par là, dans tous les cas. C'est un peu chaud, l'écalage de bâtiment, je trouve.
Faut que j'aplanisse le terrain et que je décale les câbles électriques. Et encore. Ouais, parce qu'idéalement, il faudrait que ce soit par là, quoi. Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Alors. Attends, c'est aplanir à partir d'ici. Voilà. Il y a encore une peine de courant. C'est la cata. C'est vraiment la cata. Bon, là, ça a l'air pas si mal. Problème de courant. Ah, il y a toute la clôture qui est en panne. Trop bien. Pourquoi le câblage il vient pas jusque là? Comment ça se fait? Il est censé venir jusqu'ici ou pas? Attends, je comprends pas un truc. Toute une zone qui est censée être sans électricité. Ah, parce que là, d'accord, parce que le truc est en panne. Ah, c'est abusé. Sors le vélociraptor de la couveuse. Bah, pourquoi? Vous m'avez dit 3, j'en ai mis un quatrième en réserve au cas où. Besoin de couveuse, là, tu le fais. Ah, mais oui! Ah, ouais, vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon. Il faut que je pose une centrale électrique pour la clôture. Centrale électrique, c'est grand comment? Ouais, ça passera jamais là. Ouais, c'est chaud quand même. Et là, je suis en limite de zone, comment ça se passe? Alors, regardez comment on est. Là, je suis en limite de zone. Alors, mettre la centrale électrique à l'entrée, c'est un peu moyen. Là, je peux pas. Je peux en caler une ici encore. C'est au niveau de la route. Voilà. Je peux mettre une deuxième centrale électrique. Je trouve que les maps, elles sont un peu... Canada a raison. Parce que 4 c'est mieux que 3. Mais la semaine dernière vous m'avez dit 3. Alors attends, une chose à la fois, concentration. Concentration. Donc, toi t'es censé pouvoir aller là. On peut pas avoir un calage automatique qui soit à peu près propre. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les rotations des bâtiments sont foireuses? Ou pas? Super loin, c'est pas opti du tout en fait. Bon, ça va être là, mais c'est pas opti. Il faut qu'on se rebranche sur le câble général. C'est celui-là. Ouais, c'est vraiment pas propre comme parc, sans déconner. Allez! Pourquoi tu veux pas? Et là tu veux bien, d'accord. C'est pas propre du tout. Bah là les rotations, Libidina, ou alors j'ai pas compris un truc, mais c'est WX et c'est calé sur... N'oublie pas que t'as encore de la place après la première centrale. Yep. Rappelez-moi ce que je voulais, franchement. On dirait les arbres d'abord parce qu'on voit que là... Voilà, et... La route... Calme-toi, calme-toi le jeu. Oh non, en plus il y a une tempête. Ok. Allez, tout le monde aux abris, c'est la guerre, c'est la fin du monde. Vous voulez que je sorte le quatrième? Sur PC, Siori. Merci Neutrino. Ouais, c'est ça. T'adaptes les routes au bâtiment et pas le contraire. Et bonsoir Disno. J'ai vu Lady Design qui du coup a fait une série sur le Jurassic World et qu'arriver à aligner ses bâtiments aux routes, c'était un truc de ouf et j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Bon, on
on a un bâtiment sans électricité, mais on a presque l'habitude, j'ai envie de vous dire. Quel est le problème? Ça demande des réparations ici. Allez les gardes, on se bouge. Donc la tempête fait rage. En vous remerciant, et il faudra nourrir aussi les bestiaux. Et la deuxième équipe. Allez. Ok. T'as découvert un jeu sur l'espace qui pourrait me plaire. Vas-y, Disno, je t'écoute. C'est quoi le titre? C'est quoi? Les bâtiments qui sont sans électricité pour l'instant, ouais, c'est ça. Ok, rappelez-moi ce qu'on était en train de faire. On était en train de... On a remis une centrale et... Ah, on était en train de faire le troisième enclos pour les nouveaux qui sont pas encore à 60% d'ailleurs. C'est celui-là. Qui est à 56, on va bien y arriver. Endless Space. Ah oui, je connais. Je connais Disno. Ouais, ça m'a pas... Ça m'a pas, tu vois, pas emballé. Clôture. C'est quoi le bruit que j'entends? C'est mes dinos en mode vénère ou pas? Non, ça se passe. Je suis un peu... ça m'ennuie un peu de pas faire un truc propre, mais bon, tant pis. Jeu où tu fais des colonies dans l'espace. Yep. C'est quoi les bruits là? Oui, pardon, je vais vider les abris. Chers visiteurs, félicitations pour l'acquisition du nouveau génome. C'était du beau boulot. Merci, merci. Tous les yeux sont rivés sur vous. Je sais. Vous nous volez la vedette. Je plaisante, bien sûr. Quoique. C'est les raptors hein, qui font du bruit. Ils essayent de péter la clôture, ils font quoi? Ouais. Ouais. Alors. Hop. Dans le genre, on va pouvoir caler donc notre enclos ici. Là, il y aurait la place de remettre une boutique. Donc, en fait, la boutique que je me suis emmerdé à mettre tout à l'heure, j'aurais pu la mettre là. On va faire des recherches, on va voir si on peut choper notre boutique. Ça, c'est un dino qui tape une clôture. Ça craint. Qu'est-ce que je chope? Alors ça c'est clairement pas l'actualité à mon avis, je vais le débloquer mais mon avis c'est pas l'actualité. Ça met un petit délai, tac, ok. Ok, j'ai renvoyé une mission ou pas? Bon. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est le fait qu'il n'y a pas de pause, ça te met une pression, enfin ça te met une petite pression. Donc, hop, de quoi observer ici. Tu vois là par exemple pour ma rotation, alors sauf si j'ai raté un truc, j'essaye des contrôles de d'habitude. Mais là, là il propose espace activer, désactiver l'option alignement automatique. Ouais, d'accord. Ah purée. Ok. Ok, c'est ça qui fait le taf, d'accord. En fait tu peux switch tes rotations. D'accord, et là j'arrive à aligner mon truc proprement, et ça prend pas de place. Pas de place pour la clôture par contre, mais... Donc on va faire ça beaucoup plus propre. Cool. On pourra le caler ici, il y a pile la place. Il donnera une meilleure sur le transport si tu le places. D'accord. En fait, Neutrino, quand tu appuies sur espace, tu passes d'une rotation à l'autre. Donc là, j'ai une rotation qui est souple. Tu vois, où je peux vraiment caler mon bâtiment comme je veux. Si j'appuie sur espace, c'est des steps. Tu vois. Et c'est clairement foireux. Parce que t'es jamais bien calé. Sauf que je suppose qu'une fois que tu t'es calé comme tu veux, admettons, si je me cale sur la route, là. Bah, si, on va essayer de s'aligner à la route, voilà. Et que je réactive les rotations, ah bah non, ça la déplace. Ça enlève la rotation. Donc en fait il faut virer la rotation automatique avec espace. Et on va se mettre ici. Ce sera beaucoup plus propre. Voilà. Hop, on met la route.
Clôture, c'est surfait. On est sûr de ça? On est sûr de ça, Keneda? Bon, c'est un végétarien, donc on s'en fiche un peu normalement des clôtures. On va faire une jolie clôture courbe pour l'occasion. Attends, il faut... La route, elle va jamais passer là, je pense pas. Ah si, elle peut passer derrière. Donc on va laisser de la place pour la route. Quand il n'y a plus de jus. Sans déconner. Voilà. Donc là, hop, on peut faire une jolie clôture. Ah, j'ai dit qu'il y avait une boutique là. Et je suis pas concentré des fois. Bon bah tant pis pour la boutique. Non. Non. Non, non, non. Donc, ça repart d'ici. Je vais jamais y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais. Oh, ils seront contents de voir des dinos. Vas-y, on part comme ça. Je vois pas si c'est si c'est bien aligné. Allez, zoom. Non. Comment ça? Mais si tu peux. Là, et donc ici, un truc dans le genre. C'est pas nickel. C'est pas nickel, mais c'est pas si mal. On va recaler 2-3 armes pour la déco. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Attends. On y va, on y va. Je m'en occupe. Je suis chaud. Dans 2 minutes, je suis dessus. Bon, là, ça passe pas, les armes. Alors, voilà, toujours la centrale. Ok. Il y a autre chose à faire pendant qu'on est là? Besoin de réparation un peu partout. Attends. Demande enregistrée. Voilà, et par contre j'ai plus de tâches, donc il faut que j'envoie la deuxième équipe. Qui va faire ça? L'équipe de réparation va intervenir. Confirmé. Tâche confirmée. Ok, c'est bon, tout va bien, on souffle. C'est le plus grand l'enclos pour y mettre plein de dinos. Non, parce que là on va mettre le petit, là, on va mettre le petit qui aime pas être avec beaucoup de monde. Donc ça c'est en cours normalement. Il y a un dino qui est malade. Ça ne s'arrête jamais. Il est où? Ah, c'est les gardes, couillon. Page bien reçue. Ça va le faire, ça va le faire. Tout le monde rêve de percer dans le showbiz. Vous vendriez un sacré service à la Disney. T'en es où? Parce que on a les Vénociraptors qui se sont déjà barrés deux fois et ça a foutu un peu l'anarchie. Et là, c'est quoi? Construisez, relier et alimenter ce bâtiment, station de monorail. Non, pas tout de suite, ça. Vraiment pas tout de suite. Donc là, il faut que j'incube là-dedans mon dino qui est arrivé à 60%. Il faut aussi que j'envoie une mission avant. Donc c'est... J'ai dit quoi? Un truc de Lu Feng. Formation de Lu Feng. J'ai de l'espace perdu. C'est ce que je me disais, Keneda. C'est ce que je me disais. Alors, un truc de Lu Feng, ça doit être en Chine. Formation de Lu Feng. Juste ici. C'est ce que je me suis dit. Mais du coup, il faudrait que je vois comment ça se passe si j'aplanis le bordel. Merci madame. Attends, faut que je me cale au bon endroit. Donc ça c'est la bonne hauteur. Ah, par contre la route elle est un peu foireuse. Du coup. Parce que là ça marche pas. Alors, attends. Là on va faire la route en creux. Là je suis aux limites. A priori je suis aux limites. Ouais c'est ça. On va améliorer un peu cette route qui est vraiment pas ouf. Alors.
C'est quoi ça? C'est lycée. Voilà. Est-ce qu'on arrive à faire une route un peu en creux? Si je m'aligne là, la taille c'est le minimum. Ah non, c'est un peu l'anarchie là. Parce qu'il y a les bâtiments qui empêchent. Donc, atterrissage, hop, pour faire ça à peu près propre. Là, il y a un bout de falaise. C'est dommage, dans Planet Coaster, c'est vachement plus mieux calé. Voilà, et là, ma route, elle va être à plat. Au moins sur une partie. Non, j'ai été trop loin. On fait pour annuler. Voilà, là on lisse pour que ce soit pas trop la guerre. Ok. Il y a des espaces perdus quand même. Hein. Si ma route était. Parce que là j'ai pas la place. J'ai plein d'espaces perdus en fait. Là ici je peux rien mettre. C'est un peu couillon. Allez, ça fait un truc à peu près lisse. Ça a l'air pas si mal. Aussi un autre coin dans l'île. Ouais, mais on essaie d'optimiser déjà ce morceau là, tu vois. Alors, on démolit la clôture jusque là et on va voir tout ce qu'on peut gratter. C'est vrai qu'il y a une certaine frustration à pas arriver à faire un truc nickel quoi. Là ça passe pas. Tu vois, j'essaye de me faire au bord de la route et ça matche pas quoi. Pourquoi il veut pas là? Ouais, même là, au niveau de la rampe, il est pas fan. Je peux pas faire. J'ai une limite. Ouais, je peux pas faire mieux que ça. Si cette mission est un succès, c'est bien grâce à vous. Je peux pas la tracer mieux que ça en vrai. C'est abusé. Excusez-moi, hein, je tâtonne, mais j'essaierai de faire un truc à peu près propre, quoi, ce serait cool. On va décaler celle-là. Tac. Allez! Allez! Là. Ok. Je peux pas la mettre en libre. Non. Et... Elle s'accroche forcément à la route à un moment donné. Chut. Alors du coup ça va aller jusque là. C'est quoi le maximum? C'est là. Bah idéalement on va faire ça. C'est chaud d'arriver à faire un truc propre en fait, je trouve. Base de la place derrière au cas où. Ouais, je trouve ça chaud. Si je fais comme ça, je peux supprimer le morceau. Yep. Ok. Nagis. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est tendu, mais c'est pas si mal. Par contre, la route, à tous les coups, elle passe pas là. Si ça passe. On peut pas désactiver le snap là. Ça passe pas. Ah c'est rude, c'est carrément rude. Il y a des zones qui sont carrément rudes. Et là ça passe pas. Là ça passe. Ouais. Pas convaincant, mais c'est pas grave. Du coup, je sais même pas si c'est assez grand pour le truc. On va déjà les mettre en incubation parce que je crois qu'on est bon pour les 60% et pour le truc là. On est à combien? On est à 63. Vas-y, on va aller jusqu'au max. C'est quoi? Cool. Hop. Du coup on va renvoyer l'autre.
elle est finie. D'accord. L'ankylosaure. On va le faire monter un peu plus l'ankylosaure, tant qu'à faire. Je sais pas vu, mais je préfère aller dans la base de HK sur le Manscape que d'aller dans son parc. Non, mais c'est. Alors, c'est frustrant parce qu'en fait, il faudrait que je vire ça. Tu vois? En gros, c'est pour ça que le mode pause est intéressant dans les. Dans les jeux de enfin dans les jeux de gestion comme ça, parce que tu te dis bon ok, là mon truc est mal placé, il faudrait que je le cale ailleurs, machin, donc du coup, tu vois ce que je veux dire? Tu te mets en pause, tu déplaces ton bordel et puis tu reviens après quoi, tu relances. Là il n'y a pas de pause, donc si je vire le courant, il n'y a plus de courant à un moment donné dans l'hôtel et c'est la merde. Je vais le faire quand même, mais parce que ça m'énerve de voir cette route complètement tordue, mais c'est, je trouve ça... Ok, tac, tac, et cette route là elle est bonne, donc ça on n'y touche pas. Route. Là c'est quoi, faut aplanir le terrain. J'ai un contrat qui vient de tomber, je vous en laisse la primeur. Okay. C'est ça que je trouve... Chaque découverte nous permet de mieux les comprendre. Cette expédition a du bon, croyez-moi. Que je trouve galère. Dans le fait qu'il n'y ait pas de pause. Alors, hop. Là, il veut pas dans tous les cas. Je sais pas pourquoi. Ça va être la zone de l'hôtel qui est chelou. Du coup, idéalement... En fait, je peux pas. Pas un moment où ça passe. Y a aucun moment où ça passe. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire proprement. Tu peux le faire là, mais c'est carrément pas le délire. C'est chaud leur affaire. J'essaye de faire un truc propre, les gens. M'en veuillez pas. On essaye de faire ça bien. Là, j'ai vu un petit bout là. Ouais, tu vois, t'es. Ouais, ça fait ça, mais là je perds beaucoup. Là ça va être vachement juste. Si je fais ça, ça donne quoi? Ouais, c'est trop juste. Bon, admettons, ça va être un truc dans le genre. Admettons. J'ai l'impression que la clôture, l'enclos va être trop petit. C'est bon et ok. Pas de menu pause et même pas le moyen de ralentir le temps. Étrange pour ce type de jeu, je suis d'accord. Ouais, je trouve ça étrange. Je vois et c'est énervant quand tout plante et que tu... dès que tu bouges un truc. Ouais, je trouve ça c'est frustrant parce que là du coup faut que je ramène ma centrale électrique de tout à l'heure là. Faut que je la remette, c'est celle-là qui était par là à peu près. Bon, admettons, là. Tu sais, t'essayes de faire un truc propre, quoi. Ok, donc là, on est bon. Les clôtures. J'aurais dû virer les anciennes, histoire que ça accroche pas. Tant pis pour moi. Je sorte. Alors. Voilà. Pas de panique pour le courant, pas de panique. C'est pas ça que je veux. Bon, c'est peut-être le premier enclos où je me suis donné autant de mal pour que ce soit propre. Mais pour l'instant, j'ai pas d'alerte, donc je vais bien. Tu dis quoi? C'est un coup de main à prendre. Faire du propre possible, il faut juste bien comprendre les mécaniques simplement. Oui, après, clairement, je vais modérer un petit peu mon propos. Si je prends l'exemple... On va lancer le premier Ankylosaurus.
Si je prends l'exemple de Planet Coaster, clairement au début, j'étais un galérien. Mais vraiment, tu t'arrives rien à faire, t'arrives pas à lier tes bordels et tout. Et à un moment donné, t'apprends en fait, tu vois. Là, c'est le même principe. Là, c'est le même principe. Pour l'instant, je suis en mode galérien, mais il y a bien un moment donné où les choses s'arrangent. Alors, on va le faire incuber ici. Ça, ça coûte cher. Modifier le génome, on peut le rendre... Il est quoi? On va regarder. Alors ça on a rien, on n'a pas d'option. Génome d'Ankylosaurus. Ça, ça fait quoi? Épaisseur de la peau. Ça fait moins enviable. Il était plus 5 en notes. Et celui-là, plus 8 en notes, moins 6. Ouais, on va faire le premier. Faire ça raisonnable. Et les autres sont verrouillés de toute façon. Donc il faut appliquer. C'est appliqué ou pas? Oui, c'est ça. Ok. Ah. Hop. Et hop. Voilà. Planet Coaster, là, il est en promo sur le site, directement le site de Frontier. Ils font des soldes pour leurs 25 ans les 25 ans du studio. Et ils font des soldes tarés. Là, je crois qu'il a 12 balles ou 17 balles le Planet Coaster. Sans les DLC, j'entends. Il coûte rien en fait. Il coûte que dalle. Ils font des promos là pour leurs 25 ans. Ça se finit mardi à 11h. Ouais, ça c'est le nouveau truc, on va regarder les recherches. Si vraiment tu veux un truc propre, tu vas loin dans la partie et tu en recommences une autre. Et là, tu peux tout anticiper donc plus facile. Carrément Neutrino, mais c'est pour ça que j'ai modéré mon propos en fait. Parce que là, c'est je tâtonne et que je découvre les trucs au fur et à mesure et je galère avec des raptors qui se baladent, tu vois. Mais je suis sûr que effectivement, comme dans Planet Coaster, à un moment donné, tu peux faire un truc beaucoup plus propre et plus cool, quoi. Tu feras un parc sur le bac à sable en live si tu mets les options que pour le bac à sable pour que les dinos restent dans l'enclos. Je sais pas, Rexy. Je sais pas du tout. Faudrait que je vois. Mais je vais pas me spoiler le bac à sable trop vite, tu vois. 15€ sur Steam, non, ça passera pas, Brissinger, je crois. Pour le Planet Coaster. Alors. Un nouveau contrat vient de tomber. Donc ça, ok. On va le faire si après. Dites-moi ce que je voulais. On était sur. Sur le Belgique, quoi. Défense légale améliorée. Assurance couveuse. Réduction du coût des mangeoires. Assurance couveuse. Assure les œufs de dinosaures contre l'échec de l'incubation à hauteur de 30% du coût d'incubation d'origine. Cool! Ça me rembourse? Ça coûte 4 millions. Quoi. Et ça, c'est quoi? Réduit les frais de justice de 20%. Vas-y, on a un peu de thunes, on va en faire une. Allez, on fait une. Merci Keneda. Merci pour le petit pouce en l'air. Alors, est-ce que le copain il est fini ou... Non, ah j'ai peur. 71%. Il faut que quand il sort, il faut qu'on l'anesthésie et qu'on l'emmène dans l'autre parc. Enfin, dans l'autre enclos. Là, tu vois, c'est propre, c'est aligné, machin. Les routes, limite, je pourrais retravailler vite fait la route. Pendant que... Pendant qu'il se passe rien, récupérer un fossile de l'espèce Trodon. Donc j'allais voir où est-ce qu'on trouve du Trodon. Vas-y, on va essayer d'aligner. On va essayer de faire un truc propre là. La courbe est pas dégueu, sauf là où il se passe des trucs en fait. Donc, on va détruire ce morceau là. On doit pouvoir arriver à faire un truc beaucoup mieux. Tac. Si je fais. Hop. Là tu vois il faudrait que j'arrive à virer le morceau là. Là je les entends gueuler les raptors. Alors si on le fait comme ça, est-ce que ça marche? Hop. Mais si ça marche.
C'est rigolo là, l'entrée de l'hôtel comme ça, avec la courbe. Donc là ça passe comme ça, c'est... je peux pas faire mieux que ça apparemment. Et il me dit obstruction. Ah voilà, c'est bien ça. Et celui-là du coup, le mieux c'est... comme ça, voilà. Non, oh, c'était bon. Non, c'est obstruction. Où est-ce que ça bloque? Sur l'enclos. C'est l'enclos qui bloque. A priori. Là, ça marche. C'est l'enclos qui bloque, là. Attends. Hop. Tac, on fait ça comme ça. Là, je peux caler ici. Symétrique ou pas? Ça a l'air symétrique. Là. Faut que je vire ce morceau là. Je vais être bon les gens, je vais être bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà, et... l'entrée de l'hôtel a beaucoup plus de gueule comme ça. Oh, c'est très bien ça. Voilà. Eh, voilà. Tu débloques la mission sécurité, tu l'acceptes et tu l'auras, tu l'as juste après. D'accord. Ok. Et normalement mon dino est fini. Il est cuit, comme dirait l'autre. Donc, on va regarder à quoi il ressemble. Hello there. Autant de temps pour une route. Eh ouais, Cypri. Eh ouais. Il n'est pas à la porte. Ah, j'ai oublié la porte, Brissinger, correct. Bien wesh. Bien wesh pour la porte. Et copain? Allez, tu fais quel bruit toi? Pas de doute, c'est un ankylosaure, je le reconnais. Ok. Fort, recouvert d'une armure épaisse. Ankylosaure, et d'une redoutable queue en forme de massue. L'arme contendante ultime qui a fait cette tout droit du Crétacé. Ankylosaure. Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu des morts chez les humains? Je suis pas sûr d'avoir eu des morts. Honnêtement, je suis pas sûr. Mélanie. Il faut que je mette une porte, effectivement, à l'enclos. J'espère qu'ils vont accepter que je mette le dino avant la porte. On verra bien. Voilà. Hop. Après, comme ça, on va pouvoir voir s'il en veut deux. J'ai eu des morts en début de live? Alors logiquement je dois pouvoir caler ma porte là. Ça passe ici. Allez dites moi que ça passe. Remplacer. Oui. Ça passe pas? Un peu juste apparemment. Là c'est pas le bon coin. Là ça passe pas. Donc ça va être ici. Obstruction. Ah, là ça passe, mais c'est carrément pas le bon endroit. Ah, ils peuvent passer par derrière. Parce que là ça passe pas. Ouais, ok. La cible a été récupérée. Ok, c'est cool. C'est cool. Comme ça ils passent par la réserve de, du magasin et tout, c'est bien. Tout va bien. Et de l'eau. La mangeoire aussi est de l'eau. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez... vous êtes plus fort que moi. Hein. Vous êtes clairement plus fort que moi. Il a besoin d'eau? Le pylône électrique au milieu de l'eau, c'est complètement crédible. Vous en pensez quoi? Je sais pas si ça va être juste. À mon avis, ça va être juste. Ah c'est rigolo ça, quand tu creuses tu peux pas... c'est couillon, c'est très couillon. Ah si, tu peux le mettre en contrebas quand même. Ok. Bon
du coup t'as pas masse, gars, hein. T'es pas, c'est pas ouf ce que je t'ai fait là. Si j'aplanis là, ça marche. Là, il prend pas l'eau, c'est horrible. Allez, on va se dire que c'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Dis-moi. Parle-moi. Il manque de forêt. Oh, il y en a pas assez. Nourriture, il n'y en a clairement pas assez puisqu'il n'y a pas de mangeoire. Donc, mangeoire. C'est un petit ou un moyen, lui? Un bivore cuirassé. On ne sait pas si c'est du... petit. Je sais pas si c'est du petit ou du moyen. Ouais, ouais, je vais mettre un peu de forêt. Ouais. Il va voir dans le pylône. ça va être du moyen, je pense. Voilà. Il a pas masse de flotte, le pauvre pépère. Vas-y, on va planquer les pylônes, ça va être très bien. Alors, il nous dit quoi, le petit bonhomme? L'eau, c'est un peu lège. Forêt, c'est un peu lège aussi. Ouais, t'as pas un gros enclos, bonhomme. Et t'as besoin de potes. Apparemment, t'en veux un deuxième. On va lui mettre un pote. Putain, y'a mes vélociraptors qui sont énervés. Et doucement, les emojis, Sticky. Bonsoir à toi. Alors... on va lui remettre un peu de flotte déjà. Voilà. Allez, je veux pas là. Mais pourquoi? J'ai pas compris là. Pourquoi il m'a viré ma flotte? C'était quoi le délire? Là, il veut pas. Ok, c'est cool. Et donc du coup les arbres. Flûte, j'y étais. Hop, hop. On va les mettre là. Si on peut. Ça passe pas là. Celui-là, il est trop bas. Merci. Allez, t'es content? Prairie, forêt. Non, forêt, il est trop juste. En fait. Est-ce qu'il m'est satisfait quand même? Ouais, il est satisfait, mais il a pas beaucoup de forêt. Bon. Allez, on va se dire que c'est bien. Agrandis un peu, sinon. Ouais, sinon, faut que j'agrandisse derrière, là. Faut que j'aille chercher derrière. Je vais agrandir un peu la zone, je vais tirer jusque-là. Parce que là, c'est un peu juste pour le pauvre machin. Alors. Tac. Tac. Et on. Tu vois bien des arbres du coup. C'est compliqué. Il est où l'enclos? Il est là. Ouais ouais, j'ai ouvert l'enclos du dino, je suis pas aîné, j'ai pas peur. Là c'est où le max? C'est là. Bon, on va aller, vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout. Du coup, là il me faut une droite. Pourquoi il y a une croque comme ça, chelou? Bizarre. On va faire ça comme ça. Il va être beaucoup plus content. Jusqu'à la falaise, c'est ça. Tu penses que c'est bien que mettre de l'eau sous les pylônes électriques? On va déplacer ça. On va déplacer le pylône du coup. Tac. Tac. Oui, pas de panique. Voilà. Et on va lui mettre la flotte au bout. Si on peut. La flotte, where is it?
Ouais, les trucs chelous pour les niveaux, c'est bizarre. Allez, on va se faire ça comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est parce qu'il gère par rapport au niveau de... Par rapport au niveau du terrain. Et donc, lisser, est-ce que je peux lisser là ? D'accord, on s'en occupe. Là, je dois pouvoir remettre des armes. Allez. Ça va le faire. Encore une tempête, yep, c'est ça. Bon, il y en a 4 qui sont en panne déjà, alors. C'est quelle centrale qui déconne? C'est celle-là. Après, au niveau de l'ambiance, on peut pas leur reprocher d'avoir mal géré l'ambiance, quoi. Ils sont à fond. Hein. Les gens se précipitent aux abris, ouais, carrément. Normalement, il a assez là. Faut que j'en remette un peu. Je remette un peu de. Un peu d'arbres en plus. On va être bon. Allez, ça le fait. Il est content. Forêt, on est bien, on a du confort et tout. On est bien. Allez, on va récupérer. Normalement, pour la tempête, on est bon. C'est la tornade, c'est vrai, Dark Dreams. Tu viens de spoiler le fait qu'il y avait des tempêtes, des tornades. Et on a une coupure de courant. On était sur celui-là. Alors, problème de courant. On va déjà faire les repas. Ici. Allez. Allez. Je peux rajouter une tâche. Ah, non, c'est là. On va vous faire une troisième équipe. Je peux en rajouter un. Troisième team ou peut-être une troisième team? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, on a fini. Tant pour moi. Tant pour moi. Et non, les vidéos que tu regardes sur... que tu regardes sur Tipeee, Jack, elles sont complètement... ça te coûte rien en fait. Ça te coûte rien, tu regardes la vidéo et à la fin de la vidéo, ça donne 6 centimes. Ça donne 6 centimes au, à la personne du Tipeee en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Bon, on a dit qu'on faisait un deuxième dino. On a les 3 dinos qui sont dehors, t'es sérieux? Mais non, mais pourquoi? Putain, je suis à peine concentré en plus, ça craint. J'ajoute ça à la liste. Ouais, non, c'est pas ajoute ça à la liste, tu fais ça en premier là, t'es gentil. Ah, il y en a que 2. Ah, il faut que je rajoute une. Faut que je mette une amélioration. Vitesse de rechargement. Ça, on peut le faire, mais c'est. J'aurais pu pas faire une mission en plus. Planning de l'UC, là.
Voilà, et du coup, hop, j'ai 4 dinos dehors. C'est la vous loose. Avez mis vos visiteurs et vos animaux en danger. Oui, je sais. Ça, c'est pas bien. Calme-toi. Pas bien du tout, même. Il y en a un, deux. Ah, ils sont partis à l'hôtel en plus, les dinos. Ils se sont lâchés. Celui-là, ça a été fait déjà. Mais non, mais pourquoi? On est dans le film, les gens. Il y en a un qui a trouvé un repas. Lui, il est endormi, côté d'un cadavre. Et lui aussi. Ok! Ok, ok, ok. Ça s'est bien passé. Alors. Il m'en reste un en liberté, normalement. Voilà. Ça s'est pas super bien passé là. J'ai mis 4 plombes à réagir en plus. C'est quoi ça? Ah, il y a une clôture, ouais. Ok. Ah là là. L'équipe de réparation va se charger. C'est bon ça? Demande enregistrée. Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de pertes humaines. Éviter les dinosaures. Là-dessus, non, je sais pas ça. A priori, non. La cible est en cours de transport. A priori, non. Mélanie. Ah, ils avaient juste 20. Tu crois que c'est ça? Ah! Ici. Valide le programme d'électricité. Je comprends pas. Après, hein. Après avant, il n'y a plus rien. Comment ça, il y a un dinosaure mort? Where? Oh, abusé! Non, c'est pas ça. Hop, hop. Et hop. Tu crois qu'une mangeoire, c'est pas assez du coup pour 4? Deuxième mangeoire, genre. Vous avez la dalle? Ils sont souvent planqués quand même. Vas-y, je vais mettre dans le doute, je vais mettre une deuxième deuxième mangeoire. Hop. On va peut-être la mettre plus près là aussi. Il y a catastrophe, tu dis? Catastrophe, c'est ça? Non, c'est météo, ça. I don't know. Alors, on en était à faire notre deuxième dino, non? Il faut que je finisse les quêtes. Là, hop. J'ai entendu un bruit bizarre. Attends, autant pour moi. Hop, et hop.
Il y a des... Non, a priori, il n'y a pas de dino volant. Sifri. Ok, alors je sais pas pourquoi il est mort. Il est mort de vieillesse, peut-être. J'ai pas regardé. J'aurais peut-être dû regarder. Comment ça se fait qu'il est là, lui? Ah, mais non, purée. Je suis bête, c'est l'autre. J'ai cru que c'était l'autre. On va aller voir s'il se porte bien d'ailleurs. Salut toi, Hank. Comment tu vas, Hank? Santé, nourriture, confort, prairie, forêt, population et interaction. On va te chercher des potes, t'inquiète. Faut qu'on fasse les quêtes là. Alors, expédition pour un fossile de carnivore. Ça, je viens d'en envoyer une, c'est dommage. J'aurais pu faire une volière, ouais, carrément. C'était quoi que j'avais? Ouais, c'était recherche. Enclos, il y en a quoi? Plateforme panoramique. Peut-être faire ça. Et. Acier renforcé, clôture standard. Vas-y, on va le faire tout de suite. Voilà. Ok. Et pour les expéditions. Il reste moins d'une minute. Expédition pour un carnivore, il me faut. Eh ben c'est pas simple. Hein. Je vous le dis, c'est pas simple. Pouce bleu, merci Dregden. Merci à toi. Moi, ce qui me manque pour l'instant, mais ça va probablement changer. C'est le côté aménagement un peu plus easy. Mais c'est normal, c'est parce que là, je débloque les trucs au fur et à mesure, donc c'est le bordel. Je peux pas anticiper en fait. Tu as regardé en Inde, j'ai pas vu encore. Oui, c'est ce que je disais, limite, il faut que j'aille chercher le carnivore, là. Il en est où, lui? 86%, nickel. On y est presque. On va pouvoir lui mettre un pote, il va être content et tout, ça va être bien. Tu peux voir, si tu regardes la tête et les écrans, tu vois la nôtre, tu appuies dessus, tu vois la note des dinos, les boutiques et sécurité. Merci beaucoup, Sticky. Allez. Hop, allez, on valide. C'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout. Voilà. Hop. Et on va tout de suite chercher le centre pour récupérer le dino. Voilà. Et... Allez, il est où ton pote? Il est là. On part récupérer la cible. Bah, les coupures de courant, c'est quand même un peu récurrent. On m'a dit que de toute façon, tant que j'ai pas le poste 2, je peux rien faire a priori. Hop, au niveau des mangeoires, on est comment? Il y a une mangeoire là. Et c'est tout. A priori, c'est tout. Ouais. On peut aller jusqu'où sur l'île là? C'est quoi la limite? C'est ça? Ça va. Ah mais il y a vachement loin en fait. Ah oui, d'accord. On peut aller encore tout ici. Donc là on a les nouveaux enclos. Et bonsoir Malusio. Bonsoir à toi. Salut H, tu aurais pas oublié de remplacer une partie de la clôture des raptors en électricité du côté de la forêt? Ah, voilà une bonne question. On va aller vérifier. Et bonsoir à toi. Alors il faut un ADN de dinosaure carnivore. Corythosaurus et Ankylosaurus. Corythosaurus. Je
je sais pas si c'est carnivore. Ça c'est quoi? C'est... Ah, carnivore, Ceratosaurus. En fait, il y a une icône qui me le dit. Yep. Allez, on est parti en Espagne. On va aller voir la clôture, là, ce que tu me dis. On va aller voir la clôture du Velociraptor, qui est donc par là. C'est là le morceau. On y voit tellement que dalle. Non, là c'est bon déjà. Ah, attends. Là. Bien vu. Bien vu. Il y avait un petit morceau qui déconnait là. Portugal, pas Espagne. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait un petit morceau. Alors c'est pas par là qu'il se barrait, puisqu'il se barrait par ici. Mais bien vu quand même sur le fait qu'il y en avait un morceau qui manquait. Effectivement. Bon. Du coup, le copain, il est arrivé là-bas, ils sont de bonne humeur. Comment ça se passe, les gars? Tranquille? Interaction, on est middle, les populations, on est cool. Je pourrais mettre un autre dino avec, éventuellement. Probablement un petit, j'imagine. Qu'est-ce que j'ai dans les petits dinos de dispo? Qu'est-ce que j'ai dans les petits dinos herbivores de dispo? On va pas les faire incuber ici par contre. On va aller ici plutôt. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a celui-là qui est pas fini. Et celui-là, ça doit être... Corythosaurus, c'était un herbivore aussi. Shunkingosaurus. On a plein de nouveaux pas finis. Ouais, c'est ça, faut qu'on finisse ces trois là en fait. Alors celui-là c'est carrément un carnivore. Mais là on peut mettre je crois pas en avoir d'autres, hein. C'est dans l'ordre. Ouais, c'est dans l'ordre. Donc on va peut-être mettre celui-là là, sur celui qui est sur les pattes arrière. C'est quoi? Corythosaurus. C'est là où on avait la map facile. Oh là, si fort. T'énerve pas. Rien fait. Tac. Tac. Donc là, on a notre fossile de carnivore. Vous avez bouclé ce contrat avec brio. Voilà, c'est bon. Parce que là, c'est celui que j'ai mis sur mon autre île, non? La division sécurité a donc décidé de vous remettre cette récompense pour votre travail sur Isla Muerta. En vous remerciant. Le dilo. Ouais, je gagne de la thune, ça se passe bien. Alors attends, du coup c'était Corythosaurus. On va monter le Corythosaurus au max. Vérifier pour les recherches ce qu'on a de dispo. Ça coûte une blinde. Traitement médical, j'ai rien. Amélioration de bâtiment. Et recherche génétique. Qu'est-ce qu'on peut faire en recherche génétique? Assez gêne d'apparence. Digestion efficace. Apprentissage intuitif, vieillissement cérébral 1.0, instinct agressif on va éviter, vitesse de réactivité. Allez, on va faire des dinos plus intelligents. Non, c'est attaque et résistance, défense et espérance de vie. C'est pas mal ça, défense et espérance de vie. Vas-y, allez. Défense et espérance de vie. Donc, niveau des étoiles, comment on pourrait faire monter un peu le level du parc? Pénalité de bien-être, pénalité de variété. Pourquoi? Je considère que j'ai pas assez de variété. On va en rajouter une. Ah, il y avait les photos aussi à faire. Et yo, tuteur.
Espèce unique 5 sur 8. Bah, il me manque 3 espèces uniques en fait, c'est ça? Faut que je débloque les 3 espèces uniques en plus là. Authenticité. Alors ça c'est le problème de, des génomes qui sont pas complets. Il faudrait peut-être qu'on en monte un à 100% pour changer un peu. Et pénalité de variété, c'est parce que j'ai pas assez de variété, mais ça on va se débrouiller. C'est pas là, c'est là. Il reste moins d'une minute pour ça. Ok. Pendant ce temps-là, on gagne de la thune, donc c'est cool. C'est quoi la balance? Bénéfice par minute, 256 000. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a des amenios? Il y avait là, maintenant que je sais faire les rotations, j'aurais pu déplacer mon magasin proprement. On peut faire, on se fait ça vite fait. Histoire que je sois pas schizophrène. Est-ce que ça rapporte déjà ce truc là? Information sur le cash. 449, total par minute, revenu 818. On vend des dinotocolants. Des peluchosaures, c'est beaucoup mieux. Ah non, des dronosaures. Vas-y, on va vendre des dronosaures. Ça coûte 14, on va les vendre à 25. Et on va mettre deux personnes. Non, c'est bon, deux personnes, ça gère 240-257, c'est bon. Ce contrat ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Prenez au moins le temps de le lire. Ça marche. Bon, on s'occupera des jouets après. Plus de visiteurs, c'est plus de risques que quelque chose tourne mal. Merci Malcolm. Je ne vous demande pas de refuser le contrat, mais qu'on ne vienne pas me reprocher de n'avoir rien dit. Alors, c'est lui qu'on va pousser au max, le Corythosaurus. Allez, je vais m'occuper vite fait de mon magasin, là. Histoire de faire un truc propre, c'est quoi, ça? Centre des fossiles, j'ai pas mis d'amélioration. Sachant que c'est pas une route, il faudrait que je dévie la route, en fait. Il faudrait que je vire cette route-là pour les obliger à passer devant. On peut faire ça. Pour les obliger à passer devant la boutique. Sauf qu'on va s'occuper de la boutique d'abord. Ah, c'est de la technique commerciale de base, ça. Du coup, je suis con parce que je l'ai modifié alors qu'en fait je vais le virer. C'est un peu couillon, mais bref. Alors, on la refait. Donc, lui, hop. Ok. Ce petit bout de rue là, il vire. Et celui-là aussi. Ok. Maintenant, on a plané le terrain. Là, et c'était donc la boutique de jouets. C'était là, c'est ça? Attends. Et là, normalement, maintenant je suis capable de me la poser. Ouais, ça passe. Et je vais pouvoir la poser proprement. Voilà. Beaucoup mieux. Pas proprement, je m'entends, hein, mais. Voilà, beaucoup mieux. J'aime bien les conditions du contrat. Les bonnes techniques de commerce agressif, c'est ça. Tu as gagné 17 centimes maintenant, on doit attendre 50 minutes pour les réactiver. C'est ça, Jack. Du coup, on va pouvoir virer la route qui nous empêche de gagner de l'argent. Voilà. C'est une petite zone forestière là entre les deux qui est très très bien. Je pourrais même caler ma route pour être bien, j'aurais pu gratter un peu là. Ouais, j'aurais pu gratter un peu. Bref. T'as le troisième parc qui va être au taquet, je vous le dis. Comment ça aller? Oh, tu fais pas l'effort le jeu. C'est où qu'elle est la rue? Ça c'est tout droit.
les connexions sont quand même très étranges, je vous le dis. C'est où l'accès? C'était là? Ouais, les connexions des routes sont super bizarres. C'est complètement étrange. Bref. J'ai vu qu'il y a une maladie, on va aller soigner ça tout de suite. Ouais, du coup j'ai un truc complètement foireux là. Tant pis. Ouais, on n'aura pas réussi à faire un truc propre hein, quand même. Alors maladie, c'est qui est malade? On va aller voir ça tout de suite. Non, si c'est... Voilà. Il y a un début de tempête ou je rêve? Non. Bizarre. So. Alors, côté ADN. On n'a pas eu le bon. Aucun dinosaure malade identifié. Voilà, très bien. Y a un dinosaure mort. Why? J'ai mes... je pense qu'ils sont en fin de vie en fait. Alors attends, il est où? Il est à côté. Mort de vieillesse, ça. Il va falloir que je produise une petite série de dindons de la... de dindons jurassiques parce que ils sont en train de mourir de vieillesse en fait, les pauvres bonhommes. Alors, hop, et hop, voilà. On va en refaire quelques-uns. J'aurais peut-être pu up à 100%, en profiter pour les monter à 100%. Ils sont à combien eux? 98, donc Strucio Minus. On va aller monter à 100% pour gagner, gagner des points sur le parc. Alors, des dindons, c'est ça. Et ben voilà, il est complet. Parfait. Hop, il suffisait de le demander. Allez, on va te faire du Strucio Minus de compète. Alors là c'est quoi? C'est résistance. Tu n'as pas l'info, c'est quoi Zélé? Digestion efficace, réponse immunitaire, viabilité moins 11, note plus 12. Résistance plus 14, espérance de vie plus 15. Ok. Faut faire entrer. Ouais, c'est ça. Celui-là a été validé. Non, il n'était pas validé. C'est quoi ça? Force musculaire 2.0. Espérance de vie plus 11. Note plus 9. On va valider celui-là. Je vais regarder les gènes d'apparence là. L'apparence, c'était quoi? C'était ça. Bah, par contre, je perds vachement en viabilité en fait. Note plus 25. Allez. Ouais, ouais, t'inquiète, Doc. Faut que je remonte les prix des... On va en faire un complètement hybride. Mais par contre, viabilité, ça va être chaud. Gêne nul. Et là, j'ai rien. Ouais, non, j'ai rien de dispo, là. Et là non plus. Ok. Hop. Allez. On va faire une compète. Strucio Minus. Mimus. Mimus. Tu peux te permettre qu'ils perdent la viabilité. Ouais. Les jouets qui coûtent pas assez cher, rappelons-nous. Puisque maintenant tout le monde passe devant la boutique. Alors, on revend le dronosaure à 25$.
Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais mettre une deuxième personne. Web. Allez-y, on valide comme ça. Je pense que c'est la boutique qui va me rapporter le plus de thunes, ouais. Je pense que j'ai validé, hein. Ça valide automatiquement. Web. Ok. Et j'ai un problème électrique, une centrale, normal. Entendu. Alors on a quoi en quête? Nombre total de visiteurs. Il faut que je monte mon nombre de visiteurs. À part l'hôtel, il y a des options. Doucement Sticky, je vois pas tes messages, mais doucement, doucement sur tes messages. Parce que si Libitina est obligé de supprimer tous les messages que tu poses au fur et à mesure, c'est que tu dois avoir des soucis sur tes messages. Comment je fais pour monter mon nombre de visiteurs? Ce qui fait le succès, c'est la taille de la foule qui se passe à nos portes. Étudiez ce contrat et voyez ce qu'il est possible de faire. Ah ouais, si tu charges les emojis, ça va pas le faire, Sticky. Donc, on va déjà libérer nos dinos. Être content. Alors montre comme t'es beau par rapport aux autres. L'apparence elle est pas différente des autres si. Ouais, il est comme les autres en fait. Ouais, elle est comme l'autre. Simplement ma note elle va monter parce qu'ils sont parfaits. Authenticité 89, non ça va pas monter, c'est bizarre. Alors, en ayant plus de dinos et dinos variés, je pense surtout que ta masse place pour les enclos. Yep, donc du coup, ça veut dire que pendant que les vélociraptors apparemment sont calmes, ce qui est la très bonne nouvelle du jour, c'est-à-dire qu'on va monter celui qu'on voulait monter tout à l'heure, là, le, je sais plus son nom. On va s'occuper de l'autre. Ah bah lui. Le Corythosaurus. Et on va le mettre avec le truc à massue là. On va le mettre avec en espérant que ça se passe bien. Ce serait cool que ça se passe bien en tout cas. Corythosaurus. Alors, du côté des recherches, normalement on a de la place. On est en plus de Nino, oui, c'est ça. Alors, fossiles, recherche génétique, ça non. Enfin, quoi que j'ai de la thune, je peux peut-être en profiter tout de suite. Innovation de bâtiment, j'ai quoi? Alors, c'était plutôt du coup sur l'UC. C'est quoi ça? C'est précision. Allez, tirons plus vite. Et ça, c'est centre de fossiles, un emplacement supplémentaire. Yep. Allez, on fait ça. Et bonsoir sac à pain, comment tu vas? Et là il reste 2 minutes, ok. Quel dino j'ai pas mis en place sur cette... pardon, c'est là. Sur cette île, ils y sont tous. Celui-là non, je l'ai pas mis. J'ai pas de gros carnivore en fait, à part le... Enfin, j'ai le T-Rex. J'ai le T-Rex, j'ai le Vélociraptor. Mais celui-là, je l'ai sur l'autre île, en fait. Donc je pourrais le mettre sur cette île-là. Je pourrais faire un enclos pour le... Pour le carnivore. On a de la place. Je peux même mettre... Probablement, je peux le mettre... avec vue sur l'hôtel, ici, là. On va voir si on peut placer un... Bah, on va voir si on peut le placer. Tac. Non. D'abord, on vire les armes.
Salut l'oracle, comment tu vas? Ok, donc là on est bon. On va voir si on peut lisser un peu le terrain déjà. Ça c'est quoi? Je peux élever ça? C'est accessible ça? C'est hors zone, comment ça se passe? Ou c'est protégé? Ah, ok. Donc là il y a une zone accessible. Je peux peut-être arriver à faire un truc cool là. Il faudrait que je le fasse en deux niveaux. C'est où la limite? Là c'est la limite a priori. Bah, ça va être chaud pour faire un enclos ici. Alors c'est rigolo parce que ça fait une belle descente là du coup. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Lycée. Ouais, aplanir là. Voilà, donc ça reste comme ça. Ouais, ça va être chaud. En fait, je peux pas caler grand chose là. Il y a pas masse de place et là je suis en limite. Ah non. Attends. On va agrandir la zone. Ah, il y a une tempête. Bonsoir Maxence. Tu lâches un peu No Man's Sky? Pas du tout, sac à pain. C'est marrant, hein, tous les gens qui me voient sur un autre jeu ont l'impression que je laisse No Man's Sky. Non, non, pas du tout. J'étais sur No Man's Sky hier, j'y serai demain. Tout va bien. Je peux pas remonter le niveau jusque là, hein. C'est pas possible. Peu de chance. Recherche terminée. Pas les recherches. Recherche. On était là-dessus. Non, on était pas là-dessus. Si. On va tous les faire. Hein. On a de la thune, on va en profiter. Hop, ADN. Du coup, là, je l'ai fini, celui-là. Donc, ça sert à rien que je continue. On va envoyer l'autre. Alors, c'est Corythosaurus qui m'intéresse. Allez, ou Ankylosaur. Ok, panne de courant. Voilà. Tant qu'à faire, faut qu'il fasse les deux. Ok. Et la troisième équipe va faire les deux. Nourriture. On va faire ça. Ça. Et deux mangeoires des du Vélociraptor. Ok, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ça sent la balade des raptors avec cette palette. Mais ça suffit, les bitines. Tu connais Planet Coaster? Oui, à fond, Maxence. Je suis à fond dessus là en ce moment. Fais un grand clos à droite où il y a masse place. Tu mets plein de dinos et un max de points d'observation et ça peut tenir. Et la note va être une bonne montée, un max. Attends, je voulais tester un truc avant. On était en train d'essayer d'aplanir le terrain là. Pour voir si je peux monter le. Ouais, la vache, ça. C'est le déluge là. C'est la guerre. Ça y est, c'est fini. L'abri. Non. Non. Ok, on va pas les laisser sortir tout de suite, on a les dinos en balade. Alors, personne ne sort pour l'instant. Restez calme. Ça va bien se passer. Gravurer les raptors, quoi. Abuser. Sauf que du coup, je peux en faire que 3. Attends, non, je peux en faire 4 maintenant ou pas? Tâche confirmée. Ouais, c'est ça. Il faut que je rajoute une. Il faut que j'ai un emplacement de tâche pour le. Pour les missions machin. Tout en planning. Ah, je peux en remettre un. Là, et donc, du coup, normalement. Ajouter une tâche avec celui qui s'est barré là-bas au fond.
c'est la guerre. Comment les clôtures électriques améliorées. je regarde en même temps. Bonsoir Théo. Prévisible, ouais, bah ouais, y'a pas de mal. Y'a pas de mal, les mitina. Alors, du coup, allez, on récupère nos dinos, on les remet à leur place. Y'en a un là. Transporté ici. Demande de récupération bien reçue. On est en chemin pour récupérer la cible. La cible doit être. Par contre, il faut que je fasse les repas aussi. Il est où le dernier? Il m'en manque un. Il est où le quatrième? J'ai un dino qui est encore en balade. Ok. Enfin, ou pas d'ailleurs. Faut qu'il répare la clôture. De réparation au rapport. Tu peux pas faire les autres? Allez, sérieusement. Équipe de réparation en route. Transport en cours. Et pas choper le troisième. Je suis obligé d'attendre que les deux soient calés pour faire la troisième en fait. Et j'ai toujours un dino en balade hein. Allez là. On y arrive. Le jeu existe sur PS4, Xbox, tout ça. Tout ça. Pourquoi j'ai donc l'électricité, c'est en cours et les... Voilà, ça, on peut les fermer. A priori, on est bon. Je vais vérifier où sont les dinos quand même. Ah, il y a bien un vélociraptor là, mais qui dort. Ok, tout va bien. Là, a priori, on est bon. Transport en cours, tout ça. On est bon. Et salut le gagnant, bon anniversaire à toi. Donc, on avait les recherches, tout ça. Pour essayer d'avoir le Ceratosaurus. Le Corythosaurus, pardon. On va être bon d'ailleurs. On va être à 50%. Corythosaurus. On va voir si on peut se remettre le carnivore là. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec le terrain ici. Sinon on a une zone là derrière. On va déjà essayer de gérer un peu le terrain de ce côté là. Donc c'est à planir à partir de là. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Est-ce que je peux gratter? Non, je peux pas gratter des masses. Pas. Donc là, on a une belle zone qui sera vide en fait. Je peux pas faire mieux que ça. Ok. Enfin, un truc à peu près naturel. C'est quoi pente? Parce que ça change la pente techniquement. Et donc du coup, il va falloir qu'on passe là derrière. La cible est
Là, la route, elle va descendre et on va aplanir. On va refaire passer les jambes de ce côté-là. Bah, c'est bien. Aplanir. On peut pas ? Ah, vous c'est d'accord. Ok, on y arrive. Par contre, là, du fait de la pente, je peux pas faire mieux, c'est ça ? Non, ça change rien en fait. On a, en fait, il nous montre une limite de map ici, mais auquel on n'a pas accès. C'est un peu abusé. Et dans l'autre sens, pareil. C'est un peu abusé en fait. Ok, donc ça, on a plané comme ça. Je vais virer les arbres qui est au milieu. On va faire passer les gens entre les deux là pour aller accéder à cette zone là. Puisque on a la place de faire un troisième enclos ici. Donc les arbres. On a dit qu'on le montait à 100% celui-là. Hop, hop. Bonne nuit, Rexy. Hop, on est bon. Parce que là, en plus, j'ai un super accès ici. Oh, t'es sérieux. Oh, on dirait que c'est fait pour. Allez. Allez. Tu vas pas me dire. C'était bon tout à l'heure et ça allait plus, c'est une blague. Et merci le gagneux. J'ai eu des moments de galère, hein, je te dirais. Voilà, nickel. Ok, donc faut pas que j'aille trop loin parce qu'il y a une limite. Donc ça va être genre par là. Voilà, nickel. Et on peut faire un truc qui soit parallèle du coup. Calme-toi le dino, calme-toi. C'est là. Et là. Hop. Je peux pas faire plus long. Dommage. Donc là, il y aura probablement des boutiques, une boutique ou quelque chose. On va se prévoir une boutique ici. Il va falloir que j'amène du courant ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop. L'enclos, il va être où ? Il va être là contre. Ça va l'énerver le fait d'avoir des herbivores juste à côté. Ça va aller. À mon avis, ça va l'énerver. Alors, on vire les arbres. Hop. Bonne nuit, Jack Bauer. Bonne nuit à toi. Allez.
donc ils vont venir voir le carnivore ici. La baie. Je teste comment ici pour le terrain. Ah, idéalement j'aurais pu mettre une baie ici. Sauf que là il n'y a pas la place. C'est ici, sauf que mon terrain il est pas dispo, donc faut que je la déplace. En gros ça ferait ça. À vue de nez. Mais salut Miss, bonsoir à toi. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas de souci a priori, donc c'est cool. Quasiment bon. Là c'est une courbe. Là, okay. Allez, on va se dire que c'est bien. Il y a même la possibilité de faire la boucle. Donc, ça commence à circuler un peu bien dans le truc. Donc, ça c'est cool. Et il va nous falloir de l'eau et un enclos, tout ça. Enclos normal ou enclos dur? Peut-être enclos dur. Sans électricité, c'est lui qui est sans électricité là, normalement. Acier renforcé pour le gros dino là. Tac. Faut que je cale la porte dans le délire. Comment je fais mon affaire? Je peux mettre une boutique là ou pas? Il n'y avait pas le truc d'observation. On n'avait pas la tour d'observation ou je sais pas quoi à un moment donné. C'était dans l'enclos. Ouais, c'était ça, mais c'était pas débloqué. Il a pas 15 heures de jeu. Ouais, non, j'ai pas 15 heures de jeu. Boutique de souvenirs. Qu'est-ce qu'on aurait? Ah, c'est quoi ça? Prêt à porter. Non, c'est pas terrible. On met quoi? Parce que mine de rien, faut faire venir les visiteurs. Boutique de souvenirs. Allez, elle va passer là. Ah, le commerce quoi. Par contre là il va jamais, si ça le fait. Petite musique épique qui fait que j'ai l'impression de faire un truc absolument épique. Alors qu'en fait pas du tout. Hein. On fera pas mieux que ça a priori. Voilà. Donc là on est bon. On fait venir les touristes. Tant qu'à faire. T'as 4 parcs et tu galères. Je suis en 4 parcs. Attends. Moi je suis. J'en suis en 4 parcs. Au 4ème, c'est ça? On va lisser le terrain que ce soit pas trop dégueu. On peut pas lisser là. Ah bah non, c'est non, c'est à cause de l'autre zone, d'accord. Ok, donc, enclos. En dur. La porte, on a dit qu'on pouvait la mettre après, on est d'accord. C'est vrai, H, avec cette musique, ce qu'il fait, et... non, non, c'est sûr... C'est sûr, Libitina. Tac, allez, obstruction. Là, ça passe. Ok. Je mets la grande clôture, du coup. Enfin, la clôture en dur, on va dire. J'essaye de donner un maximum de surface au dino. Un truc dans le genre. Là évidemment j'ai pas le droit. Coupure de courant. Ah ouais, j'arrive.
Pendant qu'on y est, on va faire ça aussi. Ok, c'est good. Et celle-là. Voilà, on est bon. Alors, il va falloir qu'on mette de l'eau sur ce parc-là. Peut-être la mettre là, la flotte. Quoi ? Pourquoi ? Contrainte du terrain ? Vraiment ? Comment ça, contrainte du terrain ? J'essaie de mettre de l'eau, t'es gentil, toi. Contrainte du terrain. C'est quoi le problème ? Ok. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Je comprends pas bien là. Ok. Que t'as supprimé dans les autres enclos ? J'ai pas enlevé d'eau dans les autres enclos. Ah là, la vache, oui ! Ah, t'as raison, purée la vache. Je peux pas remettre d'eau, pourquoi? Ouais, carrément. Pourquoi je peux pas mettre d'eau? Là, du coup, ils vont mourir de soif, mais... Ah, purée. Ok. Je comprends pas pourquoi il y a des endroits que tu peux pas en mettre. Une petite contrainte de terrain, c'est parce qu'il y a des zones protégées à cause du... Parce qu'ils sont contents, du coup. Oh, c'est bon. Les pépères, il est content aussi. Ok, c'est cool. Si on puisse pas faire des ponts, j'aurais fait un pont entre les deux. Bref. Pourquoi on peut pas mettre, pourquoi je peux pas mettre d'eau? Vous avez une idée? Non, c'est pas ça. Hop. Il dit contrainte de terrain, mais voilà quoi. Il veut en mettre nulle part. Ah, d'accord. C'est loin quand même. Pour de la flotte là par rapport à l'enclos, c'est un peu dommage. C'est quoi? C'est l'eau, le niveau qui est trop haut. Vas-y, on va lisser sur ce côté là. Si on fait ça, ça donne quoi? Parce que là il accepte. D'accord, ok, donc c'est l'altitude du terrain qui pose problème. D'accord. Essaye de creuser, bah c'est ça. Par contre du coup ils vont avoir une vue en altitude, est-ce que c'est bien? Ouais. Comment il va être le terrain là? Du coup ça me fait un enclos gigantesque. Ou alors faut que je ramène jusqu'ici. On peut se le faire comme ça. Faut que je lisse un peu entre les deux parce que c'est pas ouf quoi. Non, c'est pas ça. Ok. Là. Ok. Bah j'ai joué Elias en fait, je joue, tout simplement. Hop. Ça devrait suffire, je pense. Ouais, ça fait un super grand enclos par contre. Hein. Je vais prendre la moitié du lac, mais ça fait vraiment un grand truc. Bon après c'est un carnivore donc... ça me fait penser que je vais relancer mes trucs. Bon bah c'était pas lui que je voulais finir. Coratosaurus. Coritosaurus. Et bonsoir Stéphane. Comment tu vas? Yo Bresgamer, comment il va Bresgamer?
c'est bien un grand enclos de temps en temps. Ouais, 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 c'est sûr, oui. C'est sûr. Enclos. Enclos, costaud. Il va falloir qu'on prépare le dino aussi. J'ai pas mis de porte. C'est la porte, ça. Remplacer lui. Moi aussi, ça passe large, là. Qu'est-ce que tu dis? Ça passe pas? Genre, ça passe pas. Ce jeu veut ma peau. Bah on va la mettre... Là on a dit non, donc ça fait là. Donc l'eau étant à peu près par là. Yep. Là. Sachant qu'on va faire passer les visiteurs entre les deux là. Donc ça fait ça. On va lui mettre tout le lac. Allez, on lui met tout le lac. Je suis généreux là, je le sens bien ce dino. En espérant que les choses se passent bien, je vous le dis. Voilà, c'est propre. C'est propre. Il n'y a plus qu'à lui mettre des arbres, il est content. On est en train de faire un truc de taré. Voilà. Il va être ravi, notre carnivore. Hop. On va juste lui mettre une mangeoire et de l'électricité, ça peut être bien. Enclos vivant. On va caler juste par là. Tu pourras mettre les dilophosaures avec, je pense, vu la place. Ok. Nice. Il me faut du courant. Le courant est en ouf. Le courant est en là. Bossu large. Fais pas l'effort. Là, ça passe trois fois là. Voilà. Ça a quand même un peu plus d'allure là. Je suis un peu plus content depuis que j'ai fait les rotations. C'est quand même un peu mieux. D'ailleurs, même le jeu me le dit. C'est, tu sais, il met la musique épique juste pour me dire, hey, c'est pas mal ce que tu fais. Et là, il me faut le bloc électrique. D'ailleurs, j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû mettre comme ça. Électrique ici. Eh, ça passe 4 fois là. Contrainte du terrain, mais t'es sérieux. On a rien de combat de dino. Attends. Hop. Voilà. Non, 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 c'était pas vu comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Hop. Et entre les deux, il faut que je lisse une partie, il faut que je remette de la flotte au dino, ou c'est bon là? Non, là c'est bon. Il faut juste que je lisse cette partie là. Ok, c'est cool. Ça fait vraiment pas naturel par contre. Voilà, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on voulait? L'électricité. Et là, il va toujours pas, parce que c'est carrément pas plat en fait. Il y a un problème. Il faut que j'aplatisse là-dessus. Pourtant. Ah, mais c'est parce que. D'accord, ok, j'ai rien dit.
C'était de ma faute. Mea culpa. Voilà. Et là, non, ça passe. Voilà, ça va être mieux. Du coup, faut que je vire mon... j'ai viré ce pylône là. Voilà, et... voilà. On y est. On est bon. Il va être bien cet enclos là. Il va être bien. On n'a pas fini, mais il va être bien. Et j'ai pas de nouvelles de rien. Ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs. Allez, le Corythosaurus. On va mettre le Corythosaurus. Dès que ça c'est fini, on le met à incuber. Et on va s'occuper aussi du carnivore. On va aller faire tout de suite. Et après ça, je m'arrêterai. Alors attends, Corythosaurus. Yeah. Donc, on va faire. On a dit d'abord le carnivore. Dans le truc des raptors, donc va pas falloir que ça dure trop longtemps. On va s'occuper que de ça. Ça c'est bon. De l'autre côté, ça ça le fait. Là il y a un problème d'électricité ici. Aucun problème. Et salut Éléonore, bonsoir à toi. Bon, et ça commence à être un peu mieux, pas mal quand même. On n'a pas l'option de voir le point de vue des visiteurs, je pense pas. Hein. Comme dans Planet Coaster, c'est dommage. Ouais, bon, sans électricité, personne n'est surpris, hein, évidemment. Je suis quoi en réseau? Ça donne quoi mon réseau électrique? Production d'électricité 81, électricité non utilisée 3. Donc normalement, on est bon. Mais bonsoir Corentin, comment tu vas? On a un carnivore qui est prêt à être cuit là. 24%. Ça passe une bonne soirée. Écoute, oui, on a eu 2-3 attaques de Vélociraptor qui ont été un peu compliquées à gérer. Mais après, oui, regarde, ça s'est bien passé. Là, on est en train de. On va accueillir un petit carnivore pour finir la soirée. Là, on va lisser un peu le terrain, faire ça propre. Ah non, pas deux fois, pas deux fois. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, on va finir la route d'ailleurs. Il me dit que je ramenais la route de l'autre côté. Parce que mine de rien, la route va jusqu'ici. On peut faire un tour complet en fait. Voilà. Ouais, on va faire ça vite. On va faire ça vite, Dimitina. On va aller le plus vite possible. Par contre, il veut pas me faire une route droite. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas ouf parce qu'il faudrait une double route en fait. Mais ça va le faire. Tac. Et ça, on va le raccorder ici. Et ça doit le faire. Non, perdu. Ouais, ça fera un carrefour là. Ouais, c'est pas mal. Ça le fait. Allez, pose tes arbres. Voilà, une petite bordure de... Nickel. C'est beau. Fallait pas lui dire, Dikeneda. Pas de panique, pas de panique. Échec. Remboursé. Ah, flûte abusé. Je vais en faire deux. Ah, ils sont déjà en train de guetter les Vélociraptors. Ah, il est... on a combien? 73%. On va peut-être le faire tout... Je l'ai fait ou pas? Je vais pas lancer, je crois pas. On va en lancer un.
On fera le deuxième à 100% par contre. Je sais pas si j'ai la place de mettre les deux. Non, faut que je fasse les 100% avant. C'est mieux de le faire à 100% tout de suite, faut pas être trop pressé. Par contre, si je prends pas d'ADN du Corythosaurus, ça va pas le faire. Ah! Damnette. Bon bah le Corythosaurus, à mon avis, c'est pas pour ça. Hein. On va le faire là, comme ça, on... après les Montosaurus, si on chope des trucs, de toute façon, on revend. Ouais, on va faire ça. Raptor, faut vraiment surveiller leur stade dans le rouge et ils bouffent tout le monde. Ils sont où? Vous êtes où, mes Raptors? Ils sont là. Et les filles? Allô? Ils sont où les Raptors? Ah, ils sont là. Comment vous allez? Comment ça se passe? Se déplace, satisfait, confort, tout ça, tu fais une sieste, t'es content, détendu, c'est cool, la vie est belle. Nice, parfait. Et comment vont tes potes? A priori, tout le monde va bien. Ah, ils sont chauds quand même. Hein. Tu les sens, tu sens qu'ils sont de bonne humeur, mais que ça pourrait vite mal tourner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sens que la bonne humeur dure jamais longtemps, quoi. Là, il dit quoi, lui? Ah non, j'ai dit que je le lançais pas. Et de ce côté-là... J'en fais deux. Ah, il y a une tempête. Alors, on va être vigilant pendant la tempête. Tu mets une zone d'incubation dans le nouvel enclos, au moins provisoirement. Ouais, je pouvais faire ça, mais du coup, il fallait que je mette du jus. Et je sais pas si t'as vu, mais en jus, j'étais pas ouf. En électricité, j'avais pas masse de bonus. Enfin, de rap, on va dire. Allez, on va être vigilant sur les pannes électriques tout de suite. Pour éviter les problèmes. Ouais, ça en premier. Là, ils ont plus grand chose à bouffer, entre parenthèses. Profiter pour... faire le réapprovisionnement aussi. Ouais, c'est bon, ça le fait. Coupure de courant, normal. Sont bien vicieux, ouais. Mais tu le sens, hein? Tu le sens là, tu vois, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'ils sont... Ah, ils sont en train de becter, mais. Oh, l'image était jolie là! Excusez-moi, petite pause screenshot là, parce que la pause était. Enfin, le mince, pardon. Visuel était joli, maintenant est-ce que je vais arriver à le choper? Non, a priori. Ah, c'est dommage. C'est comment? Ah, c'est là. Aussi, en plus, il y en a un qui est en haut. Ah, ouais, on le voit pas, c'est dommage. On voit pas celui qui est au premier plan là. J'arrive pas à déplacer ma caméra correctement. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Juste être assez entre les deux, non tu veux pas? Ah flûte, j'arrive pas à voir ce que je veux, dommage. Donc je peux pas faire mieux que ça. Ah non, c'est trop chaud. Si ça lag, vas-y, on va prendre comme ça, tant pis. Si ça lag, Corentin, c'est parce que t'es probablement en 1080. Parce que là, je stream en 1080, contrairement à d'habitude, parce qu'on est sur le Shadow. Et du coup, c'est peut-être pour ça que tu lags
donc quoi, dinosaure mort? Why? Donc il faut que tu regardes si tu veux pas te passer en 720. Non, c'est l'équipe de transport. Quoi? Hein? Je comprends pas là. Hein? Ah, équipe de transport. Ça doit être encore un mort de vieille, je pense. Non, c'est quoi? Pourquoi il est mort? Ah si, mort de vieillesse. Ah, flûte. Flûte. Alors. Demande de récupération reçue 5 sur 5. On en était où de notre dino? Ça se passait là. Là, je l'ai pas fait, du coup, faut que je refasse. C'était quoi? C'était un Indo... je sais plus comment. C'était celui-là. Oh, il est mort jeune, abusé. Donc, là c'est fait. Alors c'est là qu'il faut être tendu. On va transférer, hop, et tout de suite, on s'occupe de le transporter. Alors, hop. Voilà, et... Allez. Allez gros. Où est Témiche? Allez, y a les raptors, ils tournent autour. Allez. Et on l'amène dans le grand enclos, ici. Faut que j'en fasse deux. Vas-y, je vais en faire deux. Alors attends, c'était où? C'était là. On va te faire un pote. Ah, c'est celui qui a le bruit, qui fait des bruits, qui fait un bruit de vache. Ah purée, puis j'ai un truc en panne. Vas-y, vous faites ça vite fait. Hop. Hop. Faut que je sorte les abris aussi. J'ai un dino. Donc, fermer les abris. Et là, c'est quoi le problème? Il est malade. Voilà, on est bon. Il y a une coupure de courant. Ok. En fait, le jeu te laisse tranquille par moment. Et après, d'un coup, il va tout te mettre sur le nez. Ce qui est plutôt pas mal en fait, parce que ça te laisse des temps pour faire tes construits, t'occuper de ton truc, vérifier que ton allée est droite, machin, etc. Et après, t'as une petite zone de, une zone de gestion. Un petit moment de gestion. Pour que les choses se passent bien, sans électricité, ouais, mais ça va être réglé ça. Ah, il y a mes dinos qui sont malades. Donc, le carnivore, il est où? Est-ce qu'il va bien? Il va très bien, le carnivore. Un petit cri pour la postérité? Non? Quelque chose à dire? Non, a priori, il est détendu. Pendant ce temps-là. Il y en a un autre qui se balade par là, mais je sais pas où il est. Je le vois pas. Il y avait un autre, non? Ah oui, il a été traité. Ah, il y a... Non, c'est bon. Et c'est dans la poche. On a réussi. Continuez comme ça et vous deviendrez une vraie star. On a réussi, on a fait le carnivore et tout, c'est cool. Bim. Et on a débloqué l'île. Eh bah, c'est bien pour finir un stream, ça.
C'est cool. C'est cool. Pour les gens qui aiment les défis, les gens comme vous, pas comme moi, cet endroit est un vrai petit paradis, Isla Tacagno. Avec une porte comme ça, pas de contact avec les autres, carrément, Lucina. Yep, merci les gens, merci. Sauvez cette île de la faillite, démolissez l'infrastructure ratée et reconstruisez votre complexe sur des fondations du succès. Vous inquiétez pas, je suis chaud maintenant. Créez des dinosaures vedettes comme le tyrannosaure pour attirer... Et gyrosphère. Offre... Oh, c'est cool ça. Bon, on a validé. Est-ce que je vous montre l'île pour ceux qui la connaissent pas, ou est-ce qu'on aura la surprise sur le prochain stream? Ouais, j'ai mis... Bon, attends, on va rester ici. Ouais, ouais, il a sa mangeoire juste ici, le pépère. Juste là. Allez, fais-nous un joli cri pour finir le stream, là, comme à la télé. Après le moment, il fait craquer les cervicales, c'est abusé. Je vais aller traiter les animaux malades. Ouais. Merci, Corentin. Merci. Merci, Draco. Ah, vas-y, ils sont malades et bientôt morts. Mort de vieillesse et rhinite. Ok. Bon, on va s'arrêter sur ça. Je vais vite soigner quand même mon dino malade et le dino... on va enlever le dino mort. C'est important. Allez, voilà. Hop. Non, c'est pas ça. Allez. Je comprends pas pourquoi je peux pas avoir accès au... Là. Voilà. Ok. Demande de récupération bien reçue. Prochain stream, Canada, c'est pour Jurassic World, c'est samedi prochain. Ce sera samedi prochain. Pour le reste, donc, du coup, demain soir, évidemment, No Man's Sky. Donc demain soir No Man's Sky, lundi repos, mardi on sera sur No Man's Sky, mercredi une nouveauté, on fera en découverte mercredi soir, jeudi vendredi, même planning que cette semaine, donc jeudi vendredi No Man's Sky, et le samedi soir on sera sur Jurassic World Evolution, voilà. Ouais, pense à renouveler les dinos trop âgés, ouais carrément du coup. Voilà, c'est cool, ça avance, on avance bien là, on va s'occuper du... De la prochaine île et continuer à faire avancer celle-là. Il est plutôt stylé, lui, avec le soleil et tout. C'est beau. C'est carrément beau. Il est joli, le jeu. Le jeu est très joli. Bref, je vous donne 2-3 petites infos, quand même. À part que dans le stream, vous avez... Dans la description du stream, vous avez tous les liens utiles, notamment le Discord de la communauté francophone No Man's Sky. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si jamais. J'ai 3 problèmes. Là, j'ai tous mes dinos qui sont en train de... Ils sont malades, en fait. Ah, n'hésitez pas à piocher donc dans les liens de la description. Si, juste probablement que vous verrez passer demain ou lundi une petite vidéo pour faire le point sur Flight Coaster, le Atlas Park. Je vous montrerai un peu l'avancée des travaux, c'est le cas de le dire. Donc ça, ce sera une vidéo qui sera en... dispo sur la chaîne demain ou lundi, je pense. Pas mis de bouffe dans l'enclos aussi, elle est là, la bouffe. Mangeoire à pas vivant. Si. Don't worry, ne vous inquiétez pas. Elle est là, nourriture. Bref, du coup les gens, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je suis content parce que ça avance bien, je m'en sors pas trop mal. Je commence à avoir à peu près le coup de main pour tout ça. Donc c'est plutôt cool. Faudra qu'on continue à étendre le truc, évidemment, à améliorer les choses. Les rues, ça commence à être de plus en plus propre, ça commence à être de plus en plus clean, ça me plaît bien. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, les gens. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis une bonne nuit, et on va finir avec les Vélociraptors, si je les vois. Voilà. Très bonne nuit à vous, les gens. Ciao, ciao.